Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou Comment il va lui Ça va super bien, et toi Ça va très très bien, pendant que je me rapetisse un petit peu, voilà, j'étais fort grand, et pendant que je te raptisse un petit peu, tu étais fort grand aussi. Voilà Ah, ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-première World Premiere de la euh, première fois ouais. qu'on va pouvoir mettre les petites mains -main dans les petites cacartes et se régaler avec des decks délicieux. Alors là, regardez pas les anciens decks, c'est rené, on s'en fout, regardez surtout Junzoos. Ça, c'est le premier nouveau deck, je vous le montre, et on va évidemment en crafter d'autres, mais pour pas arriver trop en retard non plus, on a crafté euh, le premier deck d'abord. Yep, je suis extrêmement excité de pouvoir tester les nouvelles cartes de Doskbourne, c'est un set qui est assez hypant, qui pousse beaucoup de synergie, ça faisait quelques standards que globalement, euh, même en sortie d'extension, il n'y avait pas beaucoup de decklist, list, ça stimulait pas beaucoup la créativité des gens. Là, duskmourn, il y a plein de decklist, plein de synergies, plein de trucs à tester. On n'aura même pas le temps de tout tester ce soir, hein, de toute façon, vu que le stream, malheureusement, commence à 19h. Euh, mais en tout cas, voilà, on est très hypé. Il y a plein de trucs qui vont être cool. Et dans le pire des cas, tout ce qu'on ne présente pas ce soir, on va vous le présenter sur la chaîne. Ça fait plein de contenu à venir. Donc, moi, je suis bouillant pour duskmourn. En témoigne ce premier deck où on essaye de faire fonctionner la synergie des Overlords, du Delirium et la petite synergie un peu sweetos entre Glissatus Soleil et Suzerain de Bouillecade. Et ça fait plaisir, au euh, bon, même avec euh, l'autre, hein, le frérot. Hein. Oui, mais ça marche encore mieux avec le suzerain, parce que tour 3 glissa, tour 4 suzerain qui enlève le bloqueur, qui permet à Nissa de le connecter. Oui, c'est vrai. Quel plaisir. Sachant Il que y a aussi le petit côté combo de la conquête des chevaliers liches, qui permet de sacrifier ses enchantements pour les réaliser. Il y a tout animer. dans le deck. Et on est content, on a tout mis dedans. Je, je me suis dit... Est-ce qu'on leur fait un deck Delirium? Est-ce qu'on leur fait un deck un peu midrange centré sur Glissa et tu Soleil Est-ce qu'on leur fait un deck basé sur la conquête des liches et les Overlords? On va gagner du temps, on met tout ouais, dans ouais, le deck. Ouais, ouais. Voilà. On a commencé à y foutre d'ailleurs Kona et tout pour partir en combo. On s'est dit non. Il n'y avait plus de place. Oui. On va respecter. <laughs> on va... On va éviter, on va éviter. Donc ouais, pas mal de synergies cool. L'enregistrement maudit, il y a un deck qui est prévu ce soir, Temur Curse, et oui. qui va être incroyable. Ce deck-là sur les Overlords, et puis forcément le deck Kona, vous l'attendez, et le deck Ninja avec Kaito. Bref, on est trop chaud. Je pense qu'on a tout dit, on va pouvoir directement partir sur le LAD. Quasiment. Euh, on fait un coucou à YouTube parce qu'évidemment, cette vidéo est en rediffusion sur YouTube euh, lundi pour le coup parce qu'entre-temps, il y a le podcast. Donc vous, tout si vous fait. êtes sur Twitch, vous êtes en avant-première, vous êtes content. Et euh, si vous êtes sur YouTube, bah, vous avez pu attendre jusque-là et regarder quand même les premières déclisses et ça fait plaisir. Euh, sachant que notre top est sorti la semaine dernière et le podcast aussi, si vous voulez aller voir, écouter tout ça, n'hésitez pas. Première vidéo de gameplay euh, du nouveau format euh, où on teste des trucs aujourd'hui. Et première vidéo de gameplay du nouveau format une fois qu'il est sorti sur Arena à partir de mercredi. Comme d'habitude, tu connais. Euh, Tout à fait. On va se régaler euh, pour ce stream d'AP. Du coup, vous aurez une grosse vidéo qui vous régale. Hein. C'est pour ça que vous avez cliqué, vous avez vu 6 heures, vous avez fait waouh! Peut-être pas 6 heures, mais quand même. Euh, et du coup, on en profite comme c'est YouTube. On s'abonne, on met le pouce bleu, on commente, ça régale. Et du coup, en faisant ça, vous pouvez gagner un petit booster de Scourne. Euh, ça régale. Et oui, c'est plus ou bon c'est un booster tout de monde Vous serez peut-être tiré au sort pour gagner ça. C'est offert par La belle Carte, notre société, avec Val et Bat, euh, le troisième comparse. Ça régale. C'est offert tout à fait... Délicatement, gracieusement et avec volupté. Et si vous voulez euh, soutenir la belle carte, vous pouvez aller sur le site labelcart.fr ou bien euh, en faisant du des, des petit lèche-vitrine, en cliquant sur le petit truc par exemple, ou bien en utilisant le code LabelCart sur Vox, ça vous donne 10 euros lors de votre premier achat. Quand vous allez faire justement ce premier achat chez nous par exemple, sur euh, nos streams euh, du dimanche au jeudi à 18h, ça régale. Voilà, ça. on a tout Jean dit. Alors, j'en place une petite pour Instagram parce que c'est vrai que le B Baptiste qui communique beaucoup sur Instagram, qui fait les stories et qui présente notamment tous les produits qui rentrent dans la boîte et qui sont proposés sur le site labelcarte.fr, eh il nous a dit cet Instagram, les poulets, est-ce que vous pouvez essayer d'en de en parler un petit peu à votre communauté Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que vous avez un Instagram qui est dédié spécifiquement à la belle carte. Donc, voilà, je rends honneur à la, à la proposition du B, notre associé. On a un Instagram qui s'appelle La Belle Carte, que vous pouvez suivre directement, le lien est en description, et ça vous tiendra au courant de tous les produits qu'on rentre, que vous pouvez cliquer sur le site internet et ça vous permettra aussi d'être au courant des différents shows que l'on anime, anime sur vote euh, chaque semaine. Au passage, des fois, quelques petites stories sur la vie de la belle carte. Bref, allez suivre ce compte en masse. Plus il y aura d'abonnés, plus ça nous donnera évidemment envie de le, de le nourrir quelque yes. part. Exactement. Et remercier sponsor, sponsors, Plain by Magic Bazaar aussi, pour YouTube. Les boss. Code Valépiel 2024 sur leur boutique, ça cote pour son point d'identité ça nous soutient qu'on utilise, merci à tous. Merci à ceux qui passent par le lien d'affiliation Ultimate Guard pour faire vos achats chez eux. Ça régale, vous allez sur leur site, faites de petits achats, vous êtes régalés, ils sont régalés, régalés, on est régalés. Voilà, évidemment, évidemment, on est bon. Euh, Est-ce que j'ai tout mis Je vous ai mis le chat, désolé, euh, YouTube, du coup vous ne l'aviez point. Euh, j'ai cru qu'il y était, il n'était pas. Et maintenant, on peut partir avec ce deck délicieux. Yep, hein c'est parti. On va faire cimetière pour faire des trucs. On va cheater yes. en enlevant les mercure et glissa. On va cheater en faisant des. On va cheat en fait. C'est le deck qui triche. Oui, là c'est vraiment le deck qui est là pour tricher, tester ouais. des petites mécaniques. Je vais te demander, est-ce que tu peux réduire un tout petit peu le chat Parce que j'avoue qu'il est quand même. On vous ah, voit le chat là. Il est un peu cossu. Je m'en occupe. Il est un peu, un peu cossu. Hein. Ceci, ça te va ah, moi, je... moi je le mets un peu à la, à la taille d'un pet. Tu vois ou pas Taille d'un pet parce que justement c'était la taille fixée par le chat lui-même. Ok. D'accord. Ce sera un peu plus petit. Écoute, là, là, il me semble, il me semble très bon. Voilà. Si vous êtes sur téléphone, désolé. Ah, si vous êtes, si vous êtes sur téléphone, achetez un PC quoi. Le mec est trop directif. Ça change quoi Classement jouer Je vais faire jouer. Ah, je sais pas. Vas-y, teste avec classement, c'est nouveau. Bah, c'est bizarre. qu'il y ait deux Q. Attends. Bah ouais. Bon, là, j'ai trouvé quelqu'un. Ok. Ok. La partie sponsor sera bientôt plus longue que la deck tech. Oh Belgarion, c'est parce qu'on est en live, on Et se dur. permet. Il y a aussi des choses qui avancent. Vous êtes dur avec nous, vous êtes dur. On essaye de, on essaye de faire au mieux. Alors, t'as une, so... une sortie de merde, mais t'as la combo. Ouais, mais j'ai la combo, je garde. Si prend, on prend Mono Rouge par Rap Solo MTG, je quitte le stream. Donc là, vous dites, ah, c'est pour ça que la vidéo, est dure 10 minutes. Voilà. Il ne va, il va pas jouer mono rouge. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez pas mis un petit Valgavotte il, il y avait trop de choses possibles avec Doskmourne dans un laps de temps qui est trop court. Ouais. Il a fallu faire des choix. Choisir, ses renoncer. On a renoncé à plein de decks. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura du coup plein de decks tech qui sortiront sur la chaîne. Et oui, bien sûr. J'ai cherché une montagne pour ça. Tu as quand même gardé une bonne main de merde. Hein. Ça si va. Je puis... Si je puis me permettre. Ça va. Ah ouais, ouais. Là, ah, je lui ouais. fais croire que je suis Golgari. Oh, on a les beaux terrains, trop bien. Tu lui fais croire que t'es Grul, Que je suis Grul, pardon. Je ne montre pas que je suis Golgari. On dirait pas que le poteau, Ismar. se marre. Vous ne le voyez pas, vous, le chat. Et euh... il, se... Ah, il, se... il se bidonne, même. Il se gosse. Je tente. Allez, glisse hein. ah, si ça. Si je joue Esper en stream d'AP, je ne peux pas y croire. Stream d'AP les antipèdes sont interdits. Il n'a pas eu le mémo. C'est dingue ça, hein. c'est dingue, il faut que tu le lui rappelles. En plus, il joue rien, du coup on n'a pas de cible à suzerain, je suis très frustré. Ah bah si, c'est n'importe quelle cible, ça va aller dans la gueule ça. Hein. Non, mais tu fais pas un suzerain dans la gueule, mais une sentinelle. C'est Suzerain dans la gueule là-bas. Là. Mais c'est pas bien. Mais si, de faire parce ça. que si je trouve Land, bah je sacrifie Suzerain, je le réanime. Mais on s'en fout, tu vas le jouer à la main, joue ta petite sentinelle. Tu peux aussi sacrifier ta sentinelle et ton artefact pour réanimer... Euh... Une glissade ou non, ça c'est pas très bien, ça veut dire. Je fais sentinelle là Ah bah ouais, quand même. Ok. Quand même. T'inquiète, ta conquête, t'auras un spot pour la, pour la passer. Tu trouves un petit land Tu peux. Oui. Ah, Attention. Ah, attention. Oh, bon, par ah, contre, solo, excuse-moi, mais espère contrôle en stream d'AP. Pas que je sois la police du fun des gens, les gens font ce qu'ils veulent. Mais ils font ce qu'ils veulent en ne jouant pas, espère Oh, beau skin. C'est très beau. Là, je peux y jouer ça, maintenant. là. Voilà. Tu peux y jouer ça. Face. Ça va, non, mais il vient de se racheter un petit peu de, de sympathie, euh, notre ami Rapsolo. Attention, Absolue. quand même. On a tous accès au suzerain ou seulement vous C'est un stream d'avant-première, il n'y a que les créateurs de contenu qui sont, qui sont invités. Euh, donc pour le coup, euh, non, vous, vous n'avez pas accès au suzerain, ça sortira mardi prochain. Vous pouvez suzerainer. Oh, c'est magnifique. Ouais, euh, suzerainer à fond, ouais. Ah ben bon, C'est quoi, ce... quoi ce deck de con là que tu nous fais, euh, PL je, je, je ne sais pas. Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu nous fais là Qu'est-ce que tu caches pas... Ton sourire! Vous avez accès par procuration. C'est très, vrai. très vrai. Putain, mais attends, mais les deux machins vont se retourner là. Moi, ça me fait vachement peur ce qu'il fait en face. Hein. Alors, oui, sauf que quand moi j'attaque, j'en bute un. Hein. Donc, ça euh... Quand t'attaques, t'en butes un. Ouais. Bah, tu mets que 4. Hein. Bah, oui, mais 2 fois 4, ça fait euh, Ah, oui, non, mais bien sûr. Mais comme lui, il a. Je sais pas si tu te rappelles, il a une collection d'antibêtes lui. Ouais, non, mais ça m'intéresse pas ça. Tu peux faire un épisode de la belle carte, tu vas chez lui, il te montre ses classeurs, il n'y a que des droits à la gorge, dans toutes les langues. C'est un fan. Oh, mais c'est excellent ce que je fais, Regarde Val. Ah, mais je sais ce que tu fais. Arrête je vois bien. Très bien, tu Arrête vas faire tout ton board. Et il me contre, j'arrête. Hein. Franchement, c'est insupportable. Je crois qu'il va te contrer. Hein. Ah, tu pourras faire la même le tour d'après. Ouais, mais je vais la faire maintenant. Et il est en train... Oh, il compte, il regarde ce qui va se passer. 1, oh. 2, 3, 3 4. 4. 4. C'est parti. Boum Trigger. C'est quand, même... quand même sympa. C'est quand même brillant. Ah okay. oui, c'est brillant. Ah, oui. Ah, non. ah oui, 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 oui ah non, non, oui, oui. Oui, oui, c'est brillant. Ah si, si. Parce que ce que je peux faire en plus, c'est quand je tape avec ça, je détruis un enchantement. Je suis le compteur naturel à son deck. m'a lynx, le lynx. Par contre, ouais, il pas a mal, des... ouais. Ouais, pas mal, ouais. Il a mis des vrais skins, ça me fait plaisir. Les, les skins des nouveaux terrains, c'est ouais, lui. Il est, il, est, il, est, il est très skinné. Par contre, euh, ton poteau Rhapsolo, là, s'il fait fin du soleil, in tout fin de tour, j'ai mes géants qui arrivent. Tiens, vraiment, tu vas passer un mauvais moment, quoi. Là, Je la concède, hein. Je la concède purement, <laughs> simplement, et je maudirai le monde. Qu'est-ce que tu caches, Rapsolo sous ta vrace. Ah, il avait un anti-bête. Ah non Ah, mais non Rap solo, je vais le dénoncer. Rap solo Ah, ouais, moi je te balance à Wizard, tu seras plus invité, Rap solo. Ah, c'était la dernière, j'espère que tu as pris du plaisir, Rap solo. Allez. Et franchement, ce que tu fais, c'est nul, là. Je suis désolé de te le dire, hein, pas, non, ça pas pour va. être véhément, mais. Ça va, parce que je vais faire ça, et puis je vais tout sacrifier, et puis je vais tout réanimer. Ouais. Non, c'est nul. Bonne ouais. game, suivant, merci. Il a une gueule, le, le gros géant, là, il est stylé. Hein. Il fait bien peur, là. Bah, du coup, il t'a montré ce qu'il cachait, euh, Rapsolo. Ah oui, oui. Bon vas-y, si tu en réponse, hein, bah, on est plus à ça près, euh, Rapsolo. Hein Non, mais Rapsolo, si tu cherches à nous humilier. Faut le dire non, parce qu'on est entre on est on est collègues finalement, notre créateur. Tu Moi, vois, je me dis qu'est-ce qui, quelle épreuve dans la vie d'un jour de Magic le mène à faire ça en stream d'AP à contre et à fin du soleil. Fin de de soleil. Non, il joue pas de contre. Je vais en si, ah si, si, regarde, il a fini les mensonges et eu un panel danti qui est très très large. Waouh! Mais grâce à ce deck, on peut savoir si ces cartes sont fortes dans le standard. Je suis désolé, je suis juste deg. Hein. Je pense que c'est un problème d'ego. On a prévu d'autres decks à jouer. <laughs> euh, non, mais pour Absolo, je pense. Vraiment, il a envie d'écraser les gens, je pense. J'aime bien son deck aussi, Jacques Atlas, en vrai, il est très Pas bien joué. Deck. On rigole, on crée du contenu, on est à pour gueulerie. On a prévu d'autres decks, oui, bah oui, bien sûr, Matoubat. Euh, avant qu'on continue, le chat Val, on fait quoi On teste la nouvelle extension, les nouvelles cartes Ou alors je prends un deck euh, qui existe déjà, qui pète les couilles Mec, euh, si tu veux, moi j'ai un Golgari combo là, euh, dans, dans la besace. Je pense Allez. que vous ne connaissez pas le chat. On va se régaler. Allez, on reste avec Junzuz, à l'unanimité, let's go. Mais oui. Bon, cela dit, comme le dit Jack Atlas, il a gagné avec le suzerain blanc. Il a gagné avec le lu. suzerain blanc, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, je rigole évidemment. C'est bien de voir que notre deck face à euh, 50 anti-bets ne passe pas. Tu sais que pour le coup, on a une ligne directrice, nous, de laquelle on n'a jamais bougé. Je crois qu'on n'a jamais casté une vras en stream d'AP. Et une espèce de, euh, de gentleman agreement. Ouais. On s'est efforcé. Alors, on est peut-être peu dans le club. C'est un peu comme moi, le club moderne en Timeless. Hein. Jamais personne ne nous a obligé à ne pas jouer de vras Mais pour le coup, on a vraiment toujours euh, fait ça, je crois. Un peu naturellement. Je crois, ouais. ou alors c'était des vrais, genre des dégâts, tu vois, qui marchaient en synergie. Euh... n'a jamais été. Ouais. Euh... n'a jamais joué au white control, quoi. Ouais, voilà. Oui, on a une liste combo débile avec l'enregistrement maudit, effectivement. AP, il ne pas trop. <laughs> non, mais en vrai, c'est que c'est un peu le running gag de la première. D'habitude, on prend mono raid Et on est en mode, bon, euh, je pense qu'il y a mieux que monorade à tester en stream ouais. d'AP. Même si les gens, ils font ce qu'ils veulent, ouais. mais bon, c'est dommage. Oui, et oui. là, on prend pas monorade. On prend oh putain la revanche. On prend Allez, on mono en tibet et fin du soleil quoi. Ouais ouais c'était un c'était un, un peu rude. Vas-y vas-y c'est quoi la main est Pas mal. Il faut que j'aille chercher un mana noir. J'ai cherché un tamanoir. noir. Alors quand ton club moderne joue énergie, ça va. Il roule sur pas mal de decks classiques. Ouais c'est vrai. C'est vrai que ça se défend énergie pareil. Ouais il joue Kaito. Est-ce qu'il a changé de deck <coughs> Penses-tu non, je crois pas, non. Il dit, moi je suis là pour faire 20-0 ce soir. Pétition contre Findus. Ah, je trouve que le design est vraiment euh, exécrable. Il faut que tu prennes un mana noir, je, je confirme. Oh, un tour 2. Ah, attention. Non, pas attention. Alors, non, ça dépend. Est-ce que tu veux faire euh, suzerain tour 2 ou est-ce que tu veux faire chevalier J'ai suzerain, chevalier ou tir lire. Ça met la pression, ça crée un trésor quand ça crève. Alors tire -lière. Mais en même temps, ça, ça remplit le cimetière. Ouais, mais c'est pas grave. Tire-lire. Ça met la pression. T'as tout dit. Elle est horrible, cette tire 20-0 ce soir, rap solo. Et euh, bah, les 20 victoires, c'est contre nous. En fait, on va taguer en boucle contre lui. C'est un genjutsu, on est puni. Par contre, si on tague que ça toute la soirée, on va pas en gagner une, les gars. Je vous dis. Hein. Euh, Vas-y. Petit coup. Hein. Petit coup tranquille. Ah, un petit coup tranquille. Et Go ouais. Sentinelle, c'est parti. Ouais, notre Donc, meilleur ouais. deck d'AP, tu penses que notre climax, c'est Shrine en M21 Je pense. Hein. Ça a été quelque chose. En fait, c'est le storytelling autour de Shrine. C'est parce qu'on a battu Thierry en live avec ce deck. C'est parce qu'on se disait euh, non, mais ça va être nul et tout. On le build vraiment à la va-vite, on s'en fout. Et c'était tellement... Euh... Extraordinaire comme deck. Ça marchait tellement bien. On dit, bah en fait, oui. En fait, oui. On a mis genre 3 ou 4-0 à tout le monde. en mode, bon, bah, let's go, quoi. J'avoue, ça n'avait pas de sens. Oh, il joue un petit talent du pourvoyeur. Ah. En vrai, son deck, il est sympa. Alors, bien. bien, bien, bien. Oh, j'ai joué une montagne, ça me débloque du vert. J'aime bien. bien. Je euh, non, 4 je préfère ça. Hein, non, non. Non, non, reste, reste serein. Bah, tour d'après, je peux faire le petit Trix Rea et tout. Non Ouais, mais le tricks Rea il t'apporte quoi Non, moi, je ferai chevalier, pioche et moussu. Je ferais même pas suzerain, tu vas le caster à la main ton suzerain. Là. Suzerain, suivant ce que je trouve, le tour prochain, ça, ça fait des, des immondices. Hein. Allez, viens, on fait du contenu, Val. Bon, ouais, c'est vrai. Allez, moi, viens, on fait là du pour. Moi, mais moi, j'étais là pour tryhard. Franchement, il nous a mis la fessée avant. Allez, un peu de contenu, Val. Oh, super. Ouais, ouais, ouais. Oh, le, le me à vide, quoi. Euh, je fais on ça. On va pas ou... le jouer, le. Non, non, le joue pas. Tu vas lui donner une vase de, de qualité supérieure. Il pas être content. Merde, je suis con cherchais tellement un land que je pensais pas avoir un marqueur. Oh. Non. Eh, ouais, ça fait beaucoup. Eh, hein. C'est ben. Dans fondation, s'il vous plaît. Oh, je suis Alors, pas sûr que tout le monde je, je, en a envie. Oui, je crois, je crois pas, moi. En fait, ça ouvre trop de decks synergiques et combos. Ça euh, prendrait d'office la place. Euh... En fait, je pense que fondation, faut que ça soit des fondations de standard, mais il faut pas que ça soit trop prégnant non plus, tu vois. Si jamais ça prend trop de place dans le deck build et que, tu vois, genre une carte de fondation, c'est Dragon Dorpont et ça devient d'office un super deck. J'ai l'impression que c'est pas trop ce qu'ils cherchent. Ils veulent plutôt des cartes flat correctes qui sont plutôt des liants dans pas mal de decks, tu vois. Je ouais. vois plus comme ça. Mais c'est vrai que moi, pour le design du dragon, parce que ce qui était fort à l'époque, c'était pas spécialement le dragon, c'était ce qu'il y avait autour aussi. Euh, je trouve qu'un design comme ça, c'est un design pur de Magic et qui est très cool. J'aime bien, mais en fait, j'ai le souvenir de ce que ça a apporté en standard et ça a apporté une domination non, non négligeable. Quoi. La calamité. Je suis une calamité. Ah, ouais. bien ça, ce genre, ça gère sa merde. Ah, ça, c'est ah, bien. Ouais. Tu peux même la piocher et la gérer maintenant, sa merde. J'avais envie de lui mettre 4 face pour le tuer. Tu peux lui mettre 4 face si jamais... Ouais vas-y vas-y. Pour le roi. Je fais du contenu. Orpon ou Ambercliff Ah je préfère préfère Orpont. ça n'a pas été aussi dominant qu'Orpont. C'est juste un design exécrable. C'est pas du tout la même chose. Bon le tour d'après tu vas lui réanimer un truc assez sympa. Ouais et puis ça c'est quand même une 5-5 qui arrive à mon endroit pour lui taquiner la belette aussi. Tu veux lui taquiner la belette Ouais, je peux. Ah, bah, t'as gagné, GG Wallplay. Coucou. Et salut. Lui. Et lui. Et lui. Allez, rap solo, tu vie. dis quoi alors Alors, ça te es passera, mon gars Hein C'est pas parce que t'as pas tout joué, tous tes anti Et tous tes anti-bêtes, anti ils étaient où, hein Alors ah, tu dis quoi maintenant <laughs> Moi j'aime bien. Ouais, moi moi j'aime bien. Non mais il fallait quoi Il fallait retarguer Absolo et lui apprendre ce que c'était qu'un stream d'AP. C'est ça un stream d'AP Absolo, tout simplement. C'est punir les outrecuidants. Les outrecuidants, pardon. C'est des permanents qui restent en jeu, un stream d'AP. <laughs> oui, voilà. Exactement un ça. stream d'AP, c'est des permanents qui restent en jeu. Allez, sauve Tonique. Excellent, si tu as lu le commentaire de Jacques Atlas, très bien joué. Mais moi, l'autre fois, j'ai fait un commentaire euh, et tu l'as pas relevé et j'étais deg. Oh putain, ah, j'ai dit, dit toujours plus la bouteille. Euh, j'ai dit euh, Val le pirate, j'espère que ton bateau il est garé dans le port de Toulon. <laughs> et tu l'avais pas relevé, j'étais deg. Oh, pas ah, j'ai la combo, oh, je regarde. Oh putain Jacques Atlas qui dit val bois bientôt dans un pot de fleurs, tu m'as fendu en deux, ça fait un bail que j'ai pas été fendu comme ça par un commentaire. Juste fendu. Bah, si ma compagne décide de, de transformer toutes les bouteilles de la maison en pot de fleurs, j'y serais <laughs> contraint, tu vois. J'ai cassé les bouteilles j'ai pris une pot de fleurs du coup. Ah ben, bah. <laughs> Allez hein, j'ai soif. Allons-y. Euh, oh putain. Pas trop... ça change un peu rien. J'ai besoin de double rouge. Ouais, avec Glissa, tu peux retirer les marqueurs imminents. C'est pour double ça que ça deck. fonctionne bien dans le deck. ouais. Tout à fait. Parfait. Un petit Suzerain. Suzerain, Tintin. Hum, c'est fameux. <laughs> Alors, c'est pas Parfait. le deck qui reprend le plus de cartes sur Suzerain. Euh... Ah, suzerain. ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, j'ai peut-être. Ça, j'avoue que c'est moi qui ai buildé ça. J'avoue qu'il y a probablement 2-3 trucs qui couinent un peu, quoi. Comme ça. <laughs> c'est pas très bien Alors, pas très bien optimisé quoi si ça grince c'est moi vous inquiétez pas ouais, ouais. j'ai pas huilé le truc bon en vrai c'est dur de pas reprendre une créature sur quatre euh, là t'as quand même pas de chat. Ouais. il y a combien de créatures ah bah, je une vingtaine pas. je pense ouais mais les deux suzerains rouges et noirs on les reprend pas ah tu reprends pas les suzerains Ouais j'avoue c'est mal bidé, ouais, c'est comme tu vois. J'ai voulu best. foutre une mécanique délirium parce que je me dis comme on se meule et qu'en plus on a des types à la fois créature et enchantement, je me suis mmh. dit que tisseur de l'Essence ça rentrait bien, c'est pas le plan du deck. Mmh, ouais, bah, mais un... ça donne des game objects à... à sacrifier ouais. avec conquête. Oh, ouais bon. ça va. Ouais ça va. Ça va et toi ça va. ça va bien. Oh, D'ailleurs là deck... tu vas retirer tes marqueurs de suzerain. Oui. Si c'est PL qui fait la Warp 2. Ah, bah moi j'aime bien, j'ai goûté à voir, je trouve ça bon. À droite, à droite. Euh, je te vois là, tu fais. Tu, tu, tu sais plus où allé. Je, je lisais un commentaire, j'essayais de cliquer, ça marchait pas. <coughs> Coucou. Et du coup là, on va se mêler, ce qui va nous permettre. Ah non, tu te mêles pas. Ah, j'ai bah pas passé le tour. Quel con. Quoi Pourquoi t'as passé le tour Je croyais qu'on était en phase d'initiative de, de, et que je passais aux phases de dégâts normales quand j'ai fait OK. Et en fait, non, c'était la fin du combat, je suis passé en fin de tour. Yes. Cela dit, ah, là, là, euh, mon tisseur à l'essin n'aurait oui, pas il fait avait de chose contre bah. cette <laughs> Il n'allait pas aider de fou. Bon, tu peux piocher euh, des, des, des bonnes cartes, hein, je te rassure. J'ai les droits à la gorge Oui. Oui, j'en ai. Voilà, je faisais de demander. Je vais chercher une forêt. Euh, C'est chiant la Saréa qui se flashback. Du coup. Ouais, après elle coûte cher hein, quand même la cocotte. Eh ben le tour d'après, Il la rejoue. Hein. Euh, elle coûte cher, euh, Vite teuf Malone, quoi 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui avec un lentis, Et 6. Eh ouais, ouais. Après j'ai exilé le bordel, donc ça va. Euh... On va reprendre un moussu, bien un moussu. Ah ouais Tu préfères un moussu qu'un tisseur T'as déjà un tisseur euh, Je vais détruire mon enchantement. D D Détruis son trésor, tu évites qu'il réanime. Un ah putain, mais tu peux pas. Calme-toi. Putain Je suis frustré. J'ai déjà landé. Il faut jouer déchiqueté. Il y a aussi déchiqueté. Euh... J'avais 4 dégâts euh, bonus. Ah mais il a Volgavot. Belle. Ouais. C'est lien de vie hein. Parade, sacrifier 3 permanents de mon terrain. Mais vas-y, vas-y, on va ça sacrifier passe, ça. Et on... Ouais ouais ça passe. Putain t'as top decké deux fois droit à la gorge, mais attends mais qui es-tu Calmez-vous. Euh... Putain je peux pas jouer ça et ça. Fuck. T'es sûr que tu peux pas Ouais. Ah oui j'ai j'ai 5 mana et m'en fous 6. Eh ben. Ah putain c'est pas un trésor. vais jouer ça en bête. Pour le et sacrifier rouge. Ouais. Mais sinon tu t'en fous sacrifie juste tes landes. Elon terrain. terrain. Ouais, ouais. Ouais, sinon c'était facile. Je fais tiens je tue, tu, j'enlève les terrains et j'ai gagné. Ouais je pensais, je pensais, ouais. Je vais jouer comme ça. Je vais sacrifier ah, quoi T'as ah. pas l'étal en fait. Si si l attends. Si j'ai l'étal je crois. Avec quoi Regarde bien. Ah parce que tu crées un tu, tu crées un, un game object ouais. supplémentaire. C'est bon. Jolet. C'est tout bon. J'ai la flemme de compter, ouais. Vous avez vu, c'est de la merde, Valgavatin. Craftez pas, c'est quoi là son gros truc? La 9-9, j'ai pas lu, j'ai pas lu. J'ai envie juste droit à la gorge, trop fort. Ou Oubliez le côté délirium et tout, mais juste glissa avec les overlords, c'est mmh. trop bien. C'est très bien. PL créateur de contenu, contenu créé. Je suis désolé, je suis pas désolé, bah, je suis pas bah, désolé bien du bien tout. Sûr. Tu oh, bon, vas euh... pouvoir nous stopper finalement là. C'est bon, on peut re-outre-cuire. Re J'ai reçu un mail d'Arena en mode découvrir les cartes de Doskmourne. Mais je suis en train. Je, je suis, suis déjà en train de le faire. Euh, une seconde. Tu réponds à Arena, tu fais mais attends, tu sais pas qui je suis Attends, mais tu sais pas qui tu parles là Non. <laughs> t eh t ben, courant, dommage. Mais... Hyper dommage. Swayze J'adore cette épée oh, là. Patrick Swayze. Ouais. Elle fait un peu plastique quand même cette épée. T'as pas gardé ça quand même, je t'en supplie. Attention, sinon la prochaine fois je bois mais dans un pot de chambre. La gourde à euh, Non, regarde, Je garde pas ça. C'est un, un bait. Ah là, voilà, c'est très très bien ça. C'est la meilleure fait. main que je peux avoir. Ah, la webcam a cru que je l'appelais. Non, non, je ne t'appelle pas. Je si, <coughs> j'enlève ça parce que visiblement on sait pas ce qu'il fout là. Je pensais que c'était une bonne idée, un hein, premier degré. Hein, mais mais j'ai vu, je me suis dit, superbe. Et en fait, non. En fait, ce pas une mauvaise idée, mais c'est pas une bonne idée. Ce n'est pas, pas la bonne idée, oui. Non, mais en tout cas, l'idée de euh, conquête avec les overlords des Lisa, c est, c est, et Lisa, et Glissa, pardon, c'est très bien. Je vais piocher une petite carte, là. Oh oui, oui, oui tout à fait. Non, je lisais euh, Corrupt Finger qui me dit que je suis une fougère, je sais pas trop pourquoi. Parce que je bois dans un pot de fleurs, c'est... C'est une... une plante inversée. Au lieu d'arroser dans un pot, <laughs> elle boit directement dans le pot. Ça fait quoi ça Ça manifeste. Et à chaque fois vous retournez ouais. un perdant phasé, mettez un marqueur. Ok, je vais juste regarder ce que c'est, ah. ça te dérange pas Oh, le token est incroyablement creepy. J'adore. J'ai vu euh, pas mal de listes qui jouent à la fois sur Manifester euh, et. Euh, tu sais, les, la nouvelle Mu. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Manifester. Non, tu manifestes l'effroi, mais dans Outlaw, on avait une autre forme de Mu. Dans Carl of Manor, pardon. Ah, euh, oui, que tu mets euh... en 2-2 machin. là Exactement. Comment ça s'appelle Oh Le truc à... où on jouait. Pardon, j'ai pas compris. Il a fait quoi ah bah Déguisé, là. voilà cloque. Et ben bah en gros il y a des listes qui vont ah bah manifester et cloque. pardon, il a fait quoi bah, il a blink euh, manifesté l'effroi et du coup il a renvoyé son bataille et c'était. Euh... Et c'était un portail de Phyrexia. Mm. Et ben bah, je t'ai dit quoi sur le fait qu'il y a des mecs qui allaient euh, manifester euh, Valgavotte Que ça n'arrivera jamais que ça n'arriverait pas et que du coup je partirais. Je partirais comme un prince. Bah, il va falloir y aller là-bas, là. Putain, il a manifesté un portail de Phyrexia. Et je te déteste, Swise. Il y a quand même une probabilité assez haute que son dé qui fasse caca. Et c'est du, de, de du cac, c'est nul. C'est nul et ça rend fou parce que ça leur donne raison de faire ça, quoi. C'est nul, Anne. Ça, ça m'énerve. Un manque de responsabilité. Du jamais nul. Vu. Je trade. Euh, ouais, ouais. Tu peux, tu peux trader d'adversaire aussi. Passer au suivant. Pour l'instant, ça va. Non, ça va pas. Si, ça va. Tu ne le sais pas encore, mais ça ne va pas du tout. Si, si, ça va. Du coup, je disais, voilà, j'ai vu des listes qui jouaient euh, cette euh, petite carte euh, simique intéressante et qui mixent à la fois la synergie cloque et la synergie manifestée, parce que globalement ça consiste à foutre des cartes face cachée. Et donc ça jouait des Yarus, des, euh, des, 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 des Le Manteau, là, tu sais euh, qu'on aimait bien et qui finalement est pas très joué. Mm -hmm. Et franchement, c'est une, une bonne gueule de deck fun. Quoi. Suze Excusez-moi. Attends, attends. Bah quoi Je pense qu'il fallait tout lui mettre dans la gueule. Comme ça, le tour d'après, t'avais l'étale. Bah je peux lui en mettre un et avoir l'étal comme le tour d'après. Sauf s'il a un et Il a pas antipède, regarde. Ok. En fait, dans tous les cas, euh, si je tue pas Glissa, il attaque et il m'en tue un des deux. Détruire un enchantement. Euh... Ok. Ok, ok. Je suis obligé de lui foutre une petite pastille. Ouais, ouais. Ok, ça, ça fonctionne. J'ai la ref malheureusement cocktail finger. Fin de tour Ah bah attends mon petit poulet. Eh bah écoute bouge pas Bouge pas Swiss, tu vas voir ce qui se passe. Je passe en phase d'attaque moi. Il faut juste que j'en ai un qui attaque. Ouais oh, il joue ça main Mais du coup je fais qu quoi là Je mets pas face. Je tue ça. En fait, je crois que tu mets Face pour espérer le tour d'après réanimer avec Conquête. Ah oui Non et Jamais tu gagnes, là, si tu mets mais pas en fait, Face. Hein, eh il, oui, mais va il encore va me... le réanimer. Va... Mais non, il va me le il réanimer, le... moi, s'il si meurt, là. Je me dis que tu es Glissa. et eh ben, tu en as deux qui sont au cimetière. Non, il est exilé. Non Il a exilé eh oui. euh... ah, est exilé Oui. C'est Glissa. Attends, comment il va te le réanimer Parce que avec ça, il va taille. taper avec sa Glissa. Ouais, mais toi, à ton tour, tu vas la... Là... En fait... Le portail réanime au début de son tour. Donc oui. là si tu tues pas la, la glissa, il, il va la tuer. Non, il réanimera Suzerain que quand il aura attaqué avec sa glissa, pas au début de son tour. Si? Mais là si au je tue pas Glissa, il bloque avec Glissa et il tue le suzerain Ah oui, putain, parce qu'il te tue le suzerain ce tour-ci. Ok, en bloquant avec la glissa, oui. ouais, c'est bon. Okay, okay. C'est bon. On est connecté. Ouais, ouais, c'est moi, moi qui étais pas. Disais-moi, bon, la journée était longue. Et la longue était journée en plus de ça. Mais Val, j'avais pas le fait qu'il allait bloquer avec Glissa. En fait, j'étais là en mode, mais dans tous les cas, il te le tuera que le tour d'après en attaquant, tu vois. Pour moi, il allait te tuer en mmh. attaquant et en détruisant un enchantement. Pas ah du ouais. tout. Il a juste à bloquer. Ouais, ben on revient de. On a trois heures de réunion, la belle carte, plus trois heures de podcast, plus stream d'AP. J'avoue que la, la journée est un peu longue. Euh, best je fais un board mon pote. Si sunfall, ah bah si sunfall il est très bon. Il n'y a pas que de l'eau dans cette bouteille. <coughs> J'attaque avec tout. Je tue ça. Ouais. Il bloque, il bloque. Il y a trois qui passent. Je réanime ça, j'ai gagné. Allez. Ça m'a l'air très fonctionnel cette histoire. Où je mets face. Et je réanime dans tous les cas. Ah non, parce que dans ce cas là, il peut. Bloc, bloc, bloc. Et j'ai rien à. Ah bloc. si, je peux sacrifier mon jeton. Non, bah. On va le faire bien quand même. Faisons les choses bien. J'ai passé mon tour à euh... ah, tuer ma glisse, ça quand même. Hein, chaque tour. Ah, s'il était un peu malin, justement, il te mettait pas euh, machin chose au cimetière et tu pouvais pas tuer dans le tour. Il pouvait oui. bloquer différemment, ce qui faisait que ton souverain n'était pas au cimetière. Ce qui du coup ne fonctionnait pas. Juste là. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que les gens font des trucs broken de fou mmh. et on les voit quand même. Ah parce que le deck est insane, voilà. Non mais attends, ton Oppo il a fait portail de Phyrexia, tour 3, et on le bat quand même. Mais parce ça que ça aucun sens. Tous les tours, moi j'ai buté la bête qui réanimait. <laughs> donc annulé. Non mais ça n'a pas de sens ce qui vient de se passer. Extraordinaire. Euh, vous en voulez où. une petite ou vous voulez un autre deck Sachant qu'après la petite, il y aura un autre deck en tous les cas. Non, non vas-y, change de deck, on a vu. Ah, euh, les Overlords, c'est broken. Voilà. C'est vraiment très bien. Euh, je vous propose Temur Curse. Moi, j'ai très envie de voir. Ah, oui, oui, oui. Bien sûr. Ah, bien sûr, ah, ouais, ouais, ouais. ah ouais, 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 ouais. Bien sûr, bien sûr. Standard. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Alors, je te propose oh, de... de jongler. Ah, bah tiens, il n'y a plus d'Akam, désolé. Voilà, y a pas cam. comme ça, Zinedine. Je propose de jongler pendant que je craft le deck. On a perdu Val Non, non, vous inquiétez pas, je suis toujours là. Alors, ça, pareil, euh, l'idée, elle n'est pas de moi. Euh, enregistrement maudit dans Provoquer la chance, quelque chose que j'ai vu sur Internet. Par contre, j'ai modifié tout le reste de la structure du deck pour avoir un truc qui me convenait un peu plus. Donc, pareil, il y a peut-être des ajustements en land et tout qui ne sont pas parfaits. Ce n'est pas aux petits oignons. Tu tu vois. Vois, moi, j'aimais bien Enregistrement maudit dans Savoir Doppelganger. Ouais, mais ça ne vient pas de moi. En fait, la base Enregistrement maudit dans Provoquer la chance et Doppelganger. C'est l'idée du deck que j'ai trouvé. par contre tout ce qu'il y a à côté, les aperçus du noyau, le côté un peu rampiche, euh, c'est la, la reformulation que j'en avais parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop éparpillé euh, le, le deck initial, mais euh, Big Up à Yoman qui est donc du coup un oui, le gars qui fait les les sur TC sur TCG Infinite et qui est à l'initiative de cette synergie avec Enregistrement Maudit. Alors, du coup, est-ce que tu as besoin que je te. Je te... Non, ça T'as l'air chaud. Je, je l'air chaud, t'as l'air chaud, chaud. Pour ça, je te laissais plutôt le Le chat, le, le pit j vais, j la pitration. J'y vais, j'y vais. Bah, tiens, si tu veux sortir un... une nouvelle façon de boire pendant que je je build le deck, n'hésite pas. TKT, j'y suis. Il y a des nouveaux mots-clés sur cette extension. Ouais, notamment Independence. C'est une... un peu comme la suspension, quoi. C'est juste Mais... qu'en attendant que ta carte. Euh... Euh, soit dans sa manière optimale, elle va rester en enchantement sur le board et elle aura quand même son TB à la base. Je ne euh... sais pas si vous êtes de cet avis. Eh, le chat, ça dit quoi euh, Mais que les mots-clés, les nouvelles mécaniques, avant on attendait toujours les trois nouvelles mécaniques de l'extension, euh, parfois ouais. un petit peu plus, genre une petite quatrième un peu pour le draft, alors que maintenant, juste on se fie plutôt directement aux cartes et euh, la nouvelle mécanique, en fait on s'en fout du mot-clé ou quoi, juste on regarde ce qu'elle fait. Je ne sais pas si tu as remarqué, je trouve depuis euh, un an environ, ça fait ça. Ouais, je suis si là remarqué. Trop... Le mec qui commence un... juste un podcast en Justin 2015. C'est euh... le nom de famille de Justin, ça Salut, c'est Justin, Justin podcast. Justin podcast. Et donc euh, tout ça pour dire que oui, moi je suis pas trop attaché au nom des mécaniques de toute façon. J'avoue que. T'en fous toi. Non, mais genre, je me rappelle ah, surtout de ce que font les mécaniques plutôt que. Je suis pas attaché aux mots-clés euh, pur et dur. Ouais, ouais mais tu sais, c'était genre tout le monde savait ce que c'était les nouveaux mots-clés. Alors que là, euh, je suis incapable de dire les mots clés qu'il y avait dans les extensions précédentes. Pourtant, je peux te dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'extensions aussi. Je sais pas. En tout cas, euh, bah oui, je retrouvais pas le mot clé de euh, cloque, de déguisement. Alors, en même temps. Oui, cloque. Ouais. Qui, qui, qui se souvient <laughs> Qui se souvient de Carlov Manor Ça existait, Carlov Manor. Oui, maintenant il y a des landes super chères. Euh, bah ouais. ouais. Ça, on vous l'avait dit. Hein. Excusez-moi, euh, pour faute d'avoir prévenu. Ah, on a dit. Hein. On a dit. On a dit acheter les boosters, acheter les landes. Vous avez dit ouais, on verra. Ah bah ben vous avez vu. Yo oh. oh bah trop bien, j'ai fait aperçu du noyau d'enregistrement et par contre il n'y a rien à mettre derrière. Mais... Sois pas si pessimiste comme ça. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça a, bien passé. Ça a, bien passé. Ah, ça a déjà vraiment. testé quoi On a testé June de Conquest Overlord et c'était trop bien en vrai. Genre nos oppos ils faisaient des trucs de fous. Genre, on a battu coup sur coup un oppo qui a fait portail de Phyrexia tour 3, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et un autre qui a fait double réanimation Atraxav Valgavot tour 4-5. Et on est là en mode normal. Normiche. Ah On ah, va pas avoir beaucoup fait. de temps, Val. On va pas avoir un temps de fou. On a besoin de. Euh, ouais, on a besoin de rien. C'est ça. <coughs> vert, Aperçu du noyau. White base. Ver. Toi ouais, typiquement pour foutre aperçu du noyau dans ce deck là, ça te demande du coup d'avoir quatre forêts parce que sinon tu as des aperçus du noyau qu'on pas de fetchable. Mais dans un deck tricolore qui veut double rouge, c'était chiant d'avoir quatre forêts. Il y a peut-être deux trois trucs qui sont un peu ah, quoi. un peu mi figasse. Ça met combien incendie la tour euh, Incendie la tour, ça met trois si je négocie, mais je ne peux pas ouais. négocier. Donc, c'est pas ouf. Vas-y, suzerain le. Vas-y, suzerain ah si je peux négocier en jouant ça, mais c'est pas ouf. Donc, non. Non, oh vas-y, tu es suzerain. suzerainé. Le bon play de ce standard, c'est suzerainé. Ouais. Ah oh oui, ça revient. Mais on a le temps. Vas-y, joue grave 5. On a un peu de time, ouais. Euh, par contre, il va falloir faire des choses fortes avec euh, enregistrement maudit. Allons-y. Hein. Tu vas pouvoir copier. T'as incendié la tour pour péter grave Sang. Non, attention, si tu fais ça, tu peux pas le faire dans le tour. Tu veux Ah, je pense ouais. Il faut que tu pètes grave sans. C'est trop okay. grave, non Tant qu'à faire, ça mange pas de pain. Oui, hein. oui. Ouais. Oh, négocier qui permet de sacrifier ça, d'ailleurs, incroyable. Mais c'est ouais. trop bien pensé. putain, j'adore. J'ai l'impression que je comprends avec ce standard ce qu'il voulait faire. Je suis fan. Il ah, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de synergies cool euh, pour le coup. C'est trop bien pensé. Mais t'as pas cette impression là de genre avec euh, cette extension, on, euh, toutes les pièces s'imbriquent, tu vois. Genre, ok, ok, je l'ai. Il y, y a beaucoup de choses Mais qui synergisent avec des cartes préexistantes, effectivement. Je trouve ça. Euh, et c'est exactement ce que je disais. Euh, il y a un moment, mais ça, ça existait surtout quand il y avait les blocs. Genre t'as un début de deck, puis ensuite t'as la moitié du de deck, puis t'as un nouveau deck qui Et euh, quand tu avais les deux tiers de ton deck, là t'as la fin qui arrive de ton deck et tu, tout ça semble. Et tu fais oh wow, ouais, oh. une <laughs> situation sympa. Par contre, ça rend fou que tu trouves pas euh, les cartes à copier avec euh, l'enregistrement. C'est juste très frustrant. C'est un peu galère, ouais. Je vais tuer son balafreur, hein, éviter de crever. Ouais, ouais, vas-y. Attends, mais il n'a pas de marqueur euh, fatalité Si, mais euh, il y a ah avec non. deux marqueurs. C'est des marqueurs stun. Eh ben, c'est pas grave. Moi, je gagne un point de vie et je retue le bal à frère. Pourquoi vous j'enregistre mort avec des effets du même style ils sont jamais joués Alors en fait, les effets de copie de sort sont jamais joués parce que c'est des copies instantanées qui te demandent une fenêtre de tir bien précise. Là, c'est totalement différent. C'est tour 4 enregistrement. Et derrière, tu copies ce que tu veux. Tu pas obligé d'être joué dans le même tour, tu peux le curver. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, tour 4, tu joues ton enregistrement. On en a parlé dans le top, on a beaucoup explicité notre choix de la mettre dans le top. Okay. C'est comme, comme feu de l'invention. C'est tour 4, enregistrement, tour 5, 10 mana. Il faut que tu le vois comme ça. C'est pas du tout un effet de copie de spell. C'est un effet qui triche sur la mana. C'est pour ça qu'on joue cette type, ce, ce type de carte-là et qu'on ne joue pas à la base les trucs qui copient les sorts. Copier un sort, ça te demande du coup de le copier dans le moment où tu le joues. Là, tu développes sa tour 4 et derrière, tu fais n'importe quoi. Bah, tu castes un rituel à 5 deux fois. Et genre, si on pioche n'importe lequel de nos rituels à 5 ou nos rituels à X, tu vas comprendre le, le bousin. Ça fonctionne. Ça commence, à, ça commence à être chiant, mais ça fonctionne avec enregistrement. Ouais. Trigger, trigger trigger. Comme ça je me débarrasse de ça définitivement. Ouais. Quelle grâce pyroclasme. Ouais bah ça. C'est Boros Convoque qui est quand même franchement pas content. Et en même temps ça fait euh... franchement longtemps qu'il est fort donc... Oui oui c'est pas Si tu me dis que Boros Convoque se fait un peu taper dessus, je m'en fous un peu hein cela dit. Hein. Pas très gênant. Mm. Euh, ça c'est vraiment une plaie hein. Bah la frère Ouais, bon là ça n'a rien fait mais ce ouais, que ça m'a coûté ouais, ouais. pour le gérer définitivement, c'était vraiment relou. Petite fin de tour. Attends, j'ai un intérêt à pas fetcher. Je regarde pas le dessus de mon pack. Ah si, il time d'explosion, non Ouais, c'est ça. Bah voilà, tu peux garder pour Je explosion, peux exactement. garder deux, ouais. ça. Bon, il va arriver faire des trucs. Bah, il a pas que démarrer en main, lui. Le pauvre. Il te remet des aclazotes. Faire attention parce que tout son deck doit être full combo. Il y a beaucoup d'effets ouais. de, de, de dégâts doublés. C'est euh... ah, une blague. Ça fonctionne, mais c'est nul, quoi. Ça m'énerve. Bon, normalement, on va crever juste parce qu'on trouve rien. Hein. Ouais, ouais. Et là, ce que ça a fait déjà en relation avec Maudit, c'était pas mal. Hein. Ouais, mais c'est franchement pas pour ça que le deck a été pensé. Non, non, euh, on fait rien de ce qu'il doit faire. Là, on aurait dû lui piquer tous ses landes, par exemple. Euh... Euh, parce ça, ça que dans l'idée, on a quand même 3 doppelgangers, 4 explosions inopportunes et 4 provoquer la chance. C'est 11 cartes qui, mis après un enregistrement, font n'importe quoi. Non, j'ai attendu 4 tours pour m'en servir. Ah, bah, Grulspell, c'est un des meilleurs decks format. Il est super fort, ce deck. Bref. Trop fort oh. euh, c'est dur hein. franchement des fois c'est dur c'est vrai qu'on peut survivre à l'enregistrement avec cornucopé c'est mort moi bon, tu peux lander là celui là tu peux le poser vas-y prends ça hein. là, il prend grave son as pioche... as pioché combien de, de landes d'affilée là 3, 4, 5, 6... Il a <coughs> Trois le, je le crois. spell noir qui me tue. Ouais, ouais bon. désolé. Bon, bah là, le deck a pas du tout fait ce qu'il était censé ça faire. Arrive ça arrive dans Magic, euh, mais quand même, je trouve que l'enregistrement ça propose des trucs, même si là ça n'a rien fait. Ouais. Je, je me demande cool. si c'est moi qui ai mal monté le deck ou si juste on n'a pas de chance. Non, franchement, on a quand même 11 cartes qui, dès qu'elles sont copiées une fois, sont broken. Tu peux pas en mettre plus, quoi. Après ton et deck, il est pas fonctionnel, quoi. J'étais quasiment à une carte sur trois euh, ouais. de piocher qui était ouf, en fait, c'est juste qu'on n'a pas de chat. T'as une carte de rampe, deux cartes de milieu de partie que sont le Suzerain et Roxane, ton enregistrement, de la gestion et 11 payoff. Alors, voilà, Ce qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas coupé, compris, est le... il a une créature qui dit que quand on perd des points de vie, on en perd le double, et il a joué un spell qui dit « perdez la moitié de vos points de vie ». Et deux fois la moitié, ça tue. Ah bah ça, c'est toutes les cartes que tu voulais piocher. Voilà, c'est typiquement tout ouais. ça que je voulais, que j'ai pas eu, donc euh... bah, ça dégage. Mais ouais. À force de parler du complot, il se vend surtout en AP. Je, je retiens. Je retiens, je retiens, euh, je n'oublie pas. En vrai, c'est toujours pareil, hein. Quand euh, tu parles d'un complot et qu'il est vrai, on essaye pas de te faire taire normalement. On essaye de te faire passer pour un fou. Alors que là, si on essaie de me faire taire sur le complot, les gens vont voir. Bien. Bien. Bon, on va enlever ça et ça. Je suis abattu là. Je suis abattu. <laughs> je suis, je suis abattu. abattu. C'est le euh... meilleur deck qu'on propose, c'est celui qui marche le moins bien. C'est le deck le plus fun, quoi. Il... Ce deck, s'il fonctionne, il est trop cool. C'est le meilleur deck. Voilà. C'est le meilleur deck, clairement. faut que tu chercher du rouge. Oui. Oh, tu, peux, tu peux patienter, mais. Mais c'est bien du rouge qu'il faut. Oh, il est trop stylé, ce skin. Petite main dans les poches, là. Il se balade. Il est se ça. Ouais. Survivant vétéran. Il a abattu tous les pièges. Mec, c'est incroyable, ce skin. Il a un petit Woody. Euh... Ouais. Ouais, il il a un, un petit flot. Euh, euh... il a ouais. un peu de chillax. Oh, j'adore le modèle réticent. Oh. Ah. Est-ce que je peux juste regarder le, dessus, le dessous de mon deck Oui. R Rouge. Pyroglasme, Yes. Ah, là, tu faisais pyroclasme, quel dinguerie. Ouais. ouais. Et maintenant, ton pyroclasme, il devient bien nul à Yeche, quoi. Ouais. Après, tu vas cornucopé dans provoquer la chance, euh, ou alors copé dans suzerain. On va dire oui. Je vais jouer des cartes. Uff, freelance, il est pas là. J'avais pyroclasme main de départ, je l'ai viré pour garder ça. Pour... J'ai envie ouais, de Ouais, ouais ah exactement mais Depuis tout à l'heure, on ne joue aucun deck aggro, donc euh, excuse-moi. Hein. Pyroclas, ça pouvais dégage. Je ne pas savoir. Ouais. Ah Pas mal. Ouais, pas ouais, mal, bah, ouais. CornuCop, cor cor CornuCop. CornuCop. Je suis mort. CornuCop à fond. T'es mort là 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, t'es à 1, ça va. Voir, hein. Le problème, Val. C'est que ma source de bleu me fait un dégât. Tu peux piocher une source de bleu, t'es pas mort. Je suis une source de bleu. Non, il y a, y a pas l'état de les poulets. Euh, à moins a moins qu'il ait un effet qui le buff. Oh, pour zéro, on va pas déconner non plus. Je crois pas. Source de bleu, une île. Passage merveilleux. Un passage merveilleux, une île. Ça va en vrai, hein, c'est faisable pour le coup t'es pas loin t'es pas loin t'es pas loin bah choisis ta mort vas-y comme ça je lui montre putain est-ce que tu lui mettais avec euh, pyroclasme aïe 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 tu veux dire que je gagnais allègrement cette game ah bah euh, allègrement est un mot euh, est un mot très bien choisi là bon j'en remets une mais je crois que le destin veut pas qu'on gagne donc on va vite builder autre chose tu gagnais avec une certaine allégresse même ah ah je suis déçu, moi j'aimerais bien le faire fonctionner une fois ce deck. Quitte à pousser un peu, tu vois. Ah moi aussi j'aimerais bien, mais je pense que là, Arena, en fait le code d'Arena comprend pas certains decks des fois, et du coup il te donne un peu de la merde, tu vois. Non non mais ça va le faire. Vous, vous régaler, je suis lidar depuis le début de ce stream. <coughs> eh bien écoute, c'est notre Velcro, but, nous nous aussi. On ne fait ça que pour le rire. On ne cherche pas Tout. une synergie, un truc. Non. Tout pour l'humour. On fait des decks euh, blagueurs, avec des nés de clown. Et pour l'instant, on réussit. Allègrement, encore une fois. Enregistrement en boros, ça peut être sympa avec la saison blanche. Oui, c'est euh, les premières choses auxquelles on a pensé avec PL euh, pour, cette, euh, pour cet enregistrement. Cela dit, euh, quand j'ai vu que les gens avaient pensé à coupler ça avec... Euh, avec le rituel A5, Simic et avec Doppelganger, j'ai trouvé que ça te permettait plus facilement de ramper, que ça donnait un deck plus cohérent. Globalement, que juste euh, mettre euh, l'enregistrement avec la saison blanche ou derrière, c'est plus difficile de lier le tout. Allez, hein Oh Oh, ouais, il est très beau le terrain, je ne l'avais pas oh, vu. Mec, regarde. Avec une petite Nintendo et tout. Hein. Trop bien. Mec, c'est le, euh... le petit tapis là, pour jouer aux voitures, incroyable. Ouais, en forme de, cool. de falaine. C'est vrai que c'est une falaine euh, pondeuse de lumière. Mm. Extraordinaire. Ouais. Ouais. Presque gardé, presque, même ce ce, ce, ce Doppelganger ouais, ouais, peut -être peut -être. un peu, euh, Peut-être un peu à sur le bodé, mais... C'est vrai que le bodé était, euh, était à haut là. Ouais, ouais. Mm. Tu vas bon, pas revoir ton pyroplasme tout de suite, mais... C'est pas, pas grave. Moi, il me laisse jouer mes cartes. C'est la deuxième le problème. Ah, bah attends, poulet, bouge pas. C'est rituel Ah bah c'est, je récupère d'autres suite là. Euh, attends, 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 Je réfléchis. Il y a un monde où tu le lui laisses. Je m'explique. Dans le cas où il fait une deuxième chauve-souris, sera obligé de prendre ton pyroclasme. Et toi, tu déroules toujours ton plan de jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas Alors voilà. que la pyroclasme pour récupérer cette corne du copé, tu t'en fous parce que le tour d'après, tu vas quand même enregistrement. Et si jamais tu récupères ta cornucopée pour faire quand même enregistrement, il va te défoncer avec une deuxième chauve-souris. Tu vois ce que je veux dire ou pas Je vois. Je préfère, franchement, les gars qui doublent chauve-souris, tu les connais, il y en a beaucoup. Euh, ouais. Non, en fait, moi, mon plan, c'était genre s'il si fait une chauve-souris qui l'enlève, je peux plus les gérer et récupérer ma cornucopée. Mais surtout, sa deuxième chauve-souris, elle pourrait. Euh... Oh On aime bien ça. Ouais, on aime bien. Ouais. Oh, l'animation, trop bien. Moi, je suis Team, laisse là cette chauve-souris pour l'instant, fais ton enregistrement à la cool. J'enregistre. Pas, de... Pas de galère. Quoi. Je en t'avais enregistré je... le partenariat artistique. <laughs> il paraît qu'en mono noir, c'est dur de gérer les artefacts. Écoute, on va voir. Comment hein. ça, tu es travi Évidemment que tu es habilles. Évidemment que tu te Effectivement. Bah, maintenant, il y a un super anti-bête, oui. anti-enchantement ah. en noir. Donc... Mais vous allez tous jouer les démons, grave sang. Faites ça toute la journée Là, tu vois, il est obligé de prendre ton pyroclasme. Et du coup, quelque part, tu t'en fous un peu. Je pense qu'il prend de, de doppelgang, non Ah bah, s'il fait ça, il va perdre beaucoup dans l'équation. Bah, il gagne un tour. Ah, il, prend il le peut le pas. Hein. Enfin, je, je comprends qu'il prenne le pyroclasme. Allez. Et nous, on va le doppelganger euh, allègrement. Hein. Oui, oui. Allez, malade étape. Merci. Euh... Tu lui prends... Oh, je, je crois que tu peux juste roxane en vrai et attendre de faire un meilleur doppelganger. Je crois que je peux, ouais. ouais go. Je vais rocker. Rookie. Je vais buter ce qui me remplit en clasme. Je pense, ouais. Et on est good. Hein. Ça te permettra de faire un gros, gros doppelganger et de voler 4 permanents. Ce qui me paraît ma foi plutôt sympa. Et là genre il a pas du tout envie de jouer son Acclasote parce que bah, bah il te le donne en fait, littéralement. Interdit. Les petits yeux. Chaque fois euh, il perd la moitié de ses panneaux. Ouais ouais, ouais t'inquiète. C'est chez lui mais c'est sur moi. Hein. C'est chez lui mais c'est sur toi. Donc ça tu peux pas en prendre le contrôle quoi qu'il advienne, ça change rien. Et j'en prends pas le contrôle je fais des jetons copies. Je sais pas. Ah, tu fais des jetons copies. Alors, pourquoi je suis à 8 là déjà eh, Parce que blessure grave. Ah oui, c'est la moitié de mes PV, c'est pas deux fois plus de dégâts. Euh... Comment on gère ça Bah, il faut plus prendre de dégâts, voilà. Ça ça, ouais, ça double qui... le mana, hein, c'est ça Ouais, donc euh, je... Ouais. je peux créer tu... deux copies. Ah, puis tu veux faire une copie de Roxane pour tuer Chauve-souris euh. Ouais. Attends, mais, ah non, mais si t'attaques avec Roxane tu crées pas un météore Ouais. C'est pas mieux juste de pyroclasme attaquer avec Roxanne, créer un météore et le tour d'après, tu fais un plus gros doppelganger Pyroclasme Attaquer avec Roxane Moi, ouais, j'attaque juste ouais, avec Roxane je tue ça en fait. Et je fais cornucopé. Ouais, c'est ça. Et aperçu, enfin, en gros, tu fais un doppelganger plus important le tour d'après. Ouais. Oh ouais ouais c'est ce que je voulais faire mais je. Ah mais oui, t'as même pas besoin de tu en fait. Ah non non. Euh, du coup et tu là... fais cornucopé et aperçu du noyau. Et je vais chercher deux forêts. Ouais, très bien. C'est ça. Je pense que c'est mieux comme ça, effectivement. Ouais, bon, c'est compliqué l'ordre, mais c'est bon là. Forêt. Et là le tour d'après, par contre, tu lui fais oui. un doppelganger. Qu'importe la bête qui va jouer, tu vas lui faire un doppelganger de fou. J'ai dit oui pour le point de vie, on sait jamais. Ouais, ouais. Je pouvais pas, mais bon. J Imagine, c'est mal codé. Ah, c'est stupide des blessures, donc c'est pas combo avec la carte à 5. Ça fait plaisir. Il peut juste faire un démon. Drain de vie euh, 2, il gagne 2, on perd 4. Ça va être chaud, hein. Pyroclès m'aurait été copié quand même, en plus. Ouais. Doppelganger, on le fait à combien, là 1, 2, 3, bah, 4, 5... Max, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 manas, donc je peux copier. 3 euh... fois 3 trois... Trois trois trucs, 2 fois. Vous voyez ce que je veux non, dire C'est con, con que ça les copie. Ouais, c'est con que ça les copie, ça me frustre. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, en prendre le contrôle. quoi. Mais soit. Il y a une vibe où tu attaques ta Rox avec ta Roxane en collant 2 dans le 6-6. Comme ça, s'il bloque... Après, hein, après avoir fait les copies, bien sûr. Je peux pas te tuer, là En faisant X copies de Roxane qui vont faire... Je crois pas. Je crois pas. Non, mais par contre, 9 que tu payes roxane. ton enregistrement bah ouais, Je en fais en 9, en 9, en 9 en Roxane, là. là. Ouais. Il faut d'abord que tu fasses ton en enregistrement, ouais. Tu fais 9 Roxane, là bah, Je crois, attends. X égale... Alors, 1... 2, 3, ouais, x égale 3. 1. Ah non, c'est trop permanents différents. Ah, c'est fuck! Différent. Ok, bon, c'est pas grave. Et 3. Ça... J'aurais pu copier enregistrement aussi. 1, 2, 3. C'est bien, choisis lui. C'est quand même très très sweet ouais. Ah et du coup tu peux tout, ah, tu peux tout le temps mettre deux je dans. Je bute. Dans... Je bute. Je bute. Copier les météores. Ah peut-être qu'on pouvait... Des... Ah non tu peux pas gagner de point de vue encore. C'est pas bon là du coup. Ah si c'est bon, je vais tuer en fin de tour avec tous ces trucs que j'ai copiés. C'est bon on l'a gagné. Peux tu en fin de tour avec quoi J'ai copié ça, je vais faire un drain de vie euh, 12 Ah nice Ok, putain trop bien Tellement de façons de l'étaler différentes Sur ce play, franchement ouais. le deck quand il sort Il est, il est violent Sa ah non hein ça, copie ça copie verrouillé Quel enfer Ah putain t'as copié la version démon <rire> non, non, <rire> Ah ouais c'est nul. Que... Non, non je copie ce permanent mais j'ai pas payé le coup Pour déverrouiller Quoi Oh Comment la triste de zinzin, oui, je vois en pas, fait, t'as ni... ouais. aucun effet ni de l'un ni de l'autre. Euh, oui, je savais pas que ça copiait et verrouillait du coup, parce qu'il y a écrit c'est pas verrouillé sur le champ de bataille. On fait de la magie avec le deck, on perd deux fois. Là, on perd la moitié. Ah, oui, bah oui, ça et ça, c'est combo et ça nous tue. Et ouais, vous avez pas copié blessure grave, mais ça, on a copié. dit que ça marchait pas. Ça marche pas, ça. Si on copie, un enfin, peu le re. Ah si, si on le fout à lui, ça le tuait. On ah aurait si, dû si. copier blessure grave pour lui foutre. C'est de la magie de niveau 3, seulement PL est encore à level 1,5. J'essaye, j'essaye, les gars, on sait pas. Hein. Maintenant, vous savez, Miss Lata sur les météorites. Mais si je copiais les Parce météorites, quoi. je peux les cibler qu'une fois chacune. Ah oui, mais je ciblais non, non. une météorite, oui, tu... une truc, et ouais, c'était bon. Bon, on avait gagné celle-là. Oui, mais bon. bah, c'était la première fois qu'on faisait tourner le deck. On excusez ce que nous oui, puisque avant il nous a juste chié dessus. Mmh. Donc là on était content, on était un peu euphorique. Il y avait à la fois la manière de répartir les météorites qui n'était pas bien et à la fois on aurait pu juste prendre blessure grave pour le rééquiper. Ok. Mmh. C'est bien ça, commun. Hein. C'est très bien. C'est décent quoi. Après quand t'as pas enregistrement maudit, le deck est quand même moins brillant. mais... Voilà, bon, j'ai rien qui marche avec enregistrement maudit. Donc... Ah là là là. Donc on se plaint. Excellent. Pas de plus, plus royaliste que le roi. Hein garde garde ouais, oui ouais garde parce que tu ce que tu de toute façon ça atteint les pièces mais ça oublie les clés en fait le texte d'une pièce c'est pour ça que je pensais que ça marchait c'est cet accès se déverrouille quand il arrive sur le champ de bataille mmh. et vu que les tokens ils arrivent sur le champ de bataille je pensais que ça se déverrouillait en fait non c'est quand on paye le coup il se déverrouille en arrivant sur le champ de bataille au moins ça arrive en stream d'ap euh, c'est rigolo on se marre on se fait contrer des spells de rampe vraiment euh, impeccable c'est pas grave t'as un spell de rampe après euh, qui fonctionne encore oui oh Furteur, j'aime bien Furter, bonne carte azorus aggro ouais c'est stylé ouais, tu corps du bien. cop là non tu cornes du cop à fond ouais à fond les tu ballons du cop à fond et faudra tuer le Furter le tour d'après avec ton suzerain de, de bouïcal quand tu copies une aura elle va où dans ce cas euh, bah, tu peux l'attacher à qui tu veux c'était une aura donc oui en fait ça marchait le, la malédiction la copie par juste au cimetière non non euh, tu copies et tu choisis à qui tu l'attaches non mais c'est le le fait que euh, on s'est dit à un moment donné ça marchait pas de le copier du coup on l'a pas ciblé mais, mais bien sûr que Exactement. si c'est pas grave les gars l'essentiel c'est qu'on ait trouvé ah ça me le, le pique ça C'est vachement fort euh, protégé par les fantômes. Le, le deck euh, Azorius euh, Aura est vraiment très cool. On l'a aussi dans la Besace. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le présenter ce soir. Une une ouais, heureusement. Mais, euh, mais c'est une. Euh, déjà, c'est un super deck budget pour les decks budget qui vont arriver ouais. avec Duskmorde. Trop et, bien. Euh, et en plus, Aura, tu peux le jouer à la fois en Boros, en Azorius ou en Celestia, Et les trois versions sont très bonnes. Donc euh, vraiment, euh, vraiment très très lourd. Du coup, euh, petit, euh, petit suzerain sur. Euh, ouais. Le Suze. <coughs> sur euh, l'ami euh, Furter. Ou sur le truc avec la Ward, comme tu veux. Vas-y, n'hésite pas, sur le truc avec la Ward, comme ça on passe euh, à l'adversaire la, à suivant. Il, il m'a fait chier bon. celui-là. Ah, <laughs> oh, j'aime pas. Ah, j'aime ouais, pas. pas, pas. Fan, fan, ouais, ouais, ouais. Ouais, copier une aura, ça outrepasse défense les défenses sismiques. Tu l'attaches, euh, tu passes par en dessous, bizarrement. C'est que vous êtes lourd là. Il apparaît deux fois deux, de 4 C'est déconné, par contre, ça. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça va être compliqué là. Mais j ah bah tu veux partir. C'est plus perdu. que compliqué, ah, c'est perdu Exactement. Ah bah après je prends cinq. est ce que je peux survivre faut que je... faut que je fasse quoi Ça faut que Tu fasses ça, mais je vois pas comment tu tues le tour d'après euh... avec enregistrement. Attention. Ouais. En plus faut que tu, tu lances d'avance, sinon t'es mort. Merci les jeux. Que... Oui, je suis pas sûr en fait. Je réfléchis. J'aurais pu l'engager pour rien. Tu sens quand même qu'enregistrement maudit, ça propose des trucs débiles. Tu vois, on ouais. sent que le build n'est pas fini, mais que la carte a un potentiel. Nickel. bien joué bon, en même temps c'était pas trop dur pour lui d'avoir un enchantement dans son deck enchantement tu vois je, je me doutais qu'on aimé... était mort mais euh, je voir. le gars ou tu tu vois je... en fait comme il fait pas... une, une super bonne sortie je me dis peut-être que mais parce qu'il a un super bon deck cela dit c'est peut-être euh... tout qu'avant un deck de merde il faut aussi des fois savoir non, non, raison non, non, garder voilà. se remettre en question non 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 peut-être que la version d'enregistrement maudit non, non, est non, pas non. exceptionnelle je pense qu'une version Jeskai contrôle elle subit moins mais du coup tu joues ni Doppelganger, younger ni le bon rituel à 5. Franchement, quand j'ai regardé les autres options, elles sont genre pas bonnes, quoi. C'est la meilleure option qu'on ait, je pense. Peut-être que... Peut-être que... Allez, s'équipe. Ouais. s'équipe et ça sera la dernière. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est pas ah, grave. la dernière. Après, elles vont vite. Hein. En même temps, quand tu es capable de faire... Tiens, je buffe ma bête, j'exile un truc. Je buffe ma bête, j'exile un truc. Pour deux, ah bon Mais bien joué, hein. On y va, Popinoy, On y va. T'inquiète, ça va le faire. Et moi aussi, je sais le faire, ça, regarde. Oui, <coughs> je vais des Landes. Ah, lui, il va nous jouer des trucs avec l'Impendance. J'aime bien. Ouais, il y a, y a de grandes chances. Je vais voir ce qu'il fait le noyau, un peu. Je voudrais voir un aperçu. Tu vas chercher une de tes 4 forêts. 4 forêts, comme les 4 doigts de la main. Est-ce que Doppelganger est une bonne carte Alors on aurait dû gagner une game. Donc oui. C'est pas une bonne carte, mais c'est un très bon payoff à mettre après enregistrement Ouh, modi. Stylé Le suze. Le suze, la rousse. C'est cheaté ça. Excusez-moi, cette fait synergie bon est cheatée. que ça remplace euh... les taupières, maintenant, ça dans dans Domaine. C'est oui, hein. bien. Je vais quand même coper, je crois. Non, tu veux que je draw 2 Franchement, draw 2, vu ce qu'il joue, euh, ah tu, vas pas, tu vas pas rentabiliser tes incendies à la tour. Donc, euh, t'es pas obligé de défausser d'ailleurs. Non. C'est une one-con qui est très agréable, ça c'est clair. Magnifique token. Ou jouer contre domaine justement. Ah donc, bah, si il y a je pense. Ouais. Des espèces de sexes qui sortent de la porte, c'est un beau token. Je, je pense tout à fait, effectivement, qu'on affronte token, euh, token, domaine, pardon. J'espère qu'il a juste rentré ça. et Il joue un euh, Traxatige. et je serais très heureux. Ah mais je pense, hein. Genre, ah euh, non, il joue suffisamment blanc aussi. Let's go. Ouais. Et du coup, il peut jouer une version sous optimale de domaine, tu vois. Oui, mais moi, c'est ce que je recherche là. Ah ok. Toi, tu euh... veux, toi, tu veux des gens qui jouent joue sous optimale. Je crois qu'il faut que tu rock ah, bah, sur un D hein. On Joue sous optimale Donc oui. Ouais, oh, ça m'a l'air bien. Hein. Ah ouais, le on est, est sous-optimal, si. nous. Aïe. Non, mais moi, je vois ce que tu veux dire. En fait, on joue des decks sous-optimaux sous pour tester des nouvelles mécaniques. Ouais. Mais lui, s'il joue juste un super deck qu'il a sous-optimisé, je trouve ça un peu nul, tu vois. Autant jouer un autre deck. Ouais, ouais. Et du coup, autant Suzerain vert dans, dans 5C domaines, je suis à peu près sûr que ça rentre. Autant Suzerain blanc, je suis, moins, je suis moins emballé, quoi. C'est le KGB d'exhibitionniste, oui. Ça s'appelle partout. Pourquoi je peux voir la carte imprimée C'est pareil. Oh Essence. Ok, ouais, donc c'est un peu tribal oui. Ok. C'est pente enchantement. Joli. Ah, et lui il est en bête là par contre, non Ouais. Ok. Alors pour le coup il est euh, vachement plus exotique que 5 ses domaines. Mmh. Loupé tu je peux euh, attaquer, explosion ouais. Exactement. Alors, tu peux d'abord exploser. Parce que là, du coup, si tu attaques, tu vas te faire. Mais euh, bah, je crée le token. Par le tu ça, c'est Ça, c'est à toutes les bêtes. Donc, vous mieux que je crée le token avant de, de tout péter. Non En fait, tu peux aussi estimer que tu vas. J'attends un token ouais, pour non, tout -y, péter. Okay. Ouais, non, non, vas-y, c'est bon. T'as raison. Je réfléchissais si on pouvait trouver un payoff avec un SEM assez élevé, tout, tout bazardé, mais dans tous les cas tu perds rien à attaquer avec euh, Roxanne. Je mets 2 ici. Ah je peux si je peux incendier la tour là en fait. Je vois s'il si bloque. Attends, attends de voir comment il bloque, ouais. On n'est pas 4 dégâts près dans notre deck. T'as pas de drop 5 à défausser. Bah si. En fait, tu peux le piocher avec ton explosion, mmh. c'est ça que je veux dire. Non mais de toute façon j'ai mets 3 donc il me suffisait de défausser ça et je mettais 3. Non mais je crois que t'as raison, on vaut mieux juste incendier maintenant. Ouais. Tant qu'à faire. Je vais négo négocier. Là. Sacrifier ça. Non. Non c'est bon. Ah c'est bon. Et du coup tu euh... pioches juste avec l'explosion sans avoir besoin de faire son effet de, ouais. de brasse. Super. Nickel. Ah ça c'est un bon petit ours. Alors ah on commence à faire des trucs, c'est cool. Je pouvais lui gérer la Nitessence, mais je crois qu'il a assez de mana, là. Oui, oui, complètement. Ouais, D'ailleurs, dans le deck Azorus Aura qu'on a affronté avant, il y a aussi Nite Essence qui marche très bien. Tu te doutes bien. Eh oui. Bah, ça déjà, 2-3-2 de de jouer... enchantement, c'est bien. C'est ça, et ça permet de jouer notamment le... Je sais plus comment il s'appelle. Le 1 blocable qui a des effets en fonction mmh. du nombre de fois que tu, tu touches. Bah, ça permet de le jouer pour 1, par exemple. Aussi. Mais c'est sur la même curve, donc bon, ça change pas grand chose. Non, mais le tour d'après, par contre, ça te permet de curver plus de, plus de cartes, quoi. Mmh. Bah, enregistrement pyroclasse, ça va faire le job, hein, mais. Mais c'est dur. Mais c'est un peu dur, ouais. Ça arrive quand même vite le suzerain, mine de rien. Voilà, bon, t'es obligé de faire enchantement, pyroclasme, incendier la tour. Non, même pas. Juste euh, pyroclasme, enregistrement et, et attaque mmh. de, de Roxanne. On se voit bien. Oh, ouais, de dus ce est quand même bien power, je suis d'accord, euh, t'as dit claw. Ouais. Je gagne un point de vue. T'as laissé du rouge là Ouais, c'est du rouge. Hein. Fais attention. Attention. Et là maintenant, on est dans la même situation que l'autre fois. On a 11 payoff dans le deck, faut les trouver. Ouais. Lui là, la main pleine. Si tu les trouves, tu gagnes. Instant. Si tu les trouves pas, c'est... Ah là je pioche Doppelgang, je lui copie ses assauts et ses suzerains. Euh... Tu trouves Doppelgang, c'est gagné. Je pense que tu trouves le truc qui te fait draw 3, bah, tu as draw 6, c'est gagné. Et si tu trouves... Oh, le truc qui te fait draw euh, Evras c'est très bien aussi hein, explosion inopportune. T'as plus que 10 payoffs parce que t'en as passé une déjà. J'ai passé deux. Explosion. Alors plus que 9 Donc 9 sur combien de cartes 9 Sur 42, ça se fait. Plus d'une chance sur 5. Ouais. Ah non, c'est de la grosse merde. Eh bah ben, t'es mort. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Je vais tuer ça. Euh, je prends 15 j'ai gagné 1. C'est dire. C'est dire où on en est. <laughs> non, tige de haricot, ça serait pas, euh, ça serait pas génial dans ce deck là. Je pense que c'est mieux dans son deck que dans le nôtre. Oui, faut plutôt que je tue ça. Oh, attends ouais, qu'à faire. C'est plus gros. Ah merde, il y a la copie. Trop faut pour qu'on La je copie que fait 3 aussi. Hein. Nice. Euh, ça fonctionne, ça tu gardes. J'espère qu'elle fait 3. Sinon, euh, sinon on a l'air con. Oui, non, oui, elle tu sais 3. Pas, elle fait 3. Ouais, ouais. Ok, bah ça va, on est vivant. Hein. Tout va bien. Mec, mec tout, tout va bien. bien. Tu ne te sens pas euh, en mode euh, frais, on on frais. Ça fonctionne, mais ça, ça me draw 2 land. Ça fonctionne pas du tout. Hein. Oui, non, mais tu as compris. Tu vas draw 4 voilà. fois, ça va. Oh! Oh, il prend encore du copé? Oh, il est vraiment bonard. Franchement, il est sympa. c'est hein un stream d'AP ça. Ouais. ouais, ouais. À moins qu'il en ait deux. Vu la main qu'il a, ça me ça me choquerait pas. Il a plus chez 8 cartes de plus ouais, que nous. En même temps, ouais, il a pas de, de galère. Bon, c'est domaine avec des nits Spoiler, pas besoin de nits Oui. Bon, là. Bon, bon, mais bon. c'est fou qu'ils aient réussi à renforcer domaine Genre le deck qui est toujours de, toujours vivant, tu vois. Toujours vivant. Toujours debout. assurez vous Ok. On va la voir la meule. Qu'est-ce que tu ouais, caches Sous ton partout. Ah Ça devient plus dur. Putain, mais pourquoi éviter ah efficace Ah non, c'est créature Plains au cœur. <laughs> Oups, et eh oui, ça ne marche pas. Pourquoi mais moi j'ai eu peur. Juste parce qu'il joue des nidessence sans s'il veut vraiment plein d'enchantements. Il y a Azur dans son paquet, c'est sûr. Ah, il s'est trompé d'ordre. Allez, c'est maintenant. Allez, ça part de là. Vas-y. Bah, bah, je suis obligé de défausser Roxane. Hein T'as pas le choix. Vas-y. En vrai, ça va. T'es content de défausser ça va. Roxane, c'est ok. Et je ne ouais, pas. Et je... je c'est quand même pas brillant. Quoi, as ouais, t'as même pas euh, retrouvé un autre payoff quoi. C'est exécrable en vrai. Allons-y. J'ai pas trouvé d'autres payoff, mais j'ai creusé. Euh, J'en ai combien là du coup 1, 2, 3. T'en restes 9 normalement de payoff. J'en ai joué 5 perdu une explosion, il te reste 8 payoffs. 8 sur 36. Oh, les les payoffs, c'est les récompenses, les cartes qu'on a envie de piocher pour faire partir la, la machine. Un peu moins d'une chance sur 4. Je suis à peu près sûr qu'il y a Azure dans son deck. Euh... Azure, euh, galère à jouer quand même. Hein. C'est Esper, donc euh, s'il a pas ses tokens. Ouais. Allez, allez l'OM. J'ai dit allez l'OM. Hein. J'ai encore pioché un land, ça va me foutre en l'air quoi. Franchement ce jeu, là, euh, tes murcurs, il me fout en l'air parce que j'adore. gang. Et... et on n'y arrive pas, quoi. Alors qu'avec notre deck June d'un peu mal monté, là, on l'aurait quand même fumé. Ah mec, c'est un truc de fou, les landes qu'on pioche, quoi. Ouais. Yes. Ah, c'est bon. pour me tuer. <laughs> c'est pour Allez. me tuer ça. Allez, le Allez mec, hop, je... dégage, dégage. je suis désolé, mais quand ce... le contenu peut pas être créé à cause du non, deck... Mais... Non, le si. deck dégage, mais en vrai, t'as eu une sensation, t'as eu un flow avec ça. J'ai eu un flow de euh, enregistrement maudit, c'est vraiment très fort. Juste eh ben, quand tu qu trouves que des landes, comme n'importe quel deck de Magic, le deck qui pue la merde. Super, exactement. Eh ben c'est pas grave, on va passer au prochain deck là, vas-y. Euh, Val, je te propose de sortir ta coque de bateau que tu remplis d'eau pour boire. Le truc que je crée un autre deck. It's, it's time, it's time. Fais uh, Célestina survie, s'il te plaît. Allez, si ça, ça te un va. Bon Comme deck. ça, on teste Kona. On, teste on a donc. Merde, faut que je dise. Non le... Du coup, je vais profiter de ce petit moment où PL va créer le deck Célestia Survie, donc qui fonctionne notamment sur le fait de Kona, euh, crew des véhicules ou euh, sceller euh, des, euh, des montures, qui vont nous permettre du coup de cheater des cartes gratuitement avec Kona. C'est un deck à l'air. Très sympathique. Euh, je profite de ce petit instant pour vous faire la promotion du September. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le September, mais tous les ans au mois de septembre, les subs sont beaucoup moins chers sur Twitch. Au lieu de 5 euros, vous pouvez les payer 3,79. Et donc, ça nous, euh, ça nous soutient évidemment et ça vous coûte un peu moins cher. L'accès aux subs, c'est cool parce que vous avez accès à toutes les rediff euh, directement sans avoir à attendre, euh, sans avoir besoin d'attendre les rediffusions sur YouTube et notamment toutes les parties de Just Chatting qui, elles, ne sont pas rediffusées euh, sur YouTube du coup seront accessibles avec un sub. Vous avez le petit badge des abonnés et vous avez accès à toutes les émotes. Et en plus de ça, vous n'avez pas de pub. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je précise aussi que vous pouvez donner un Twitch Prime. Twitch Prime, c'est un sub que vous avez totalement gratuitement. Si jamais vous, euh, vous avez un abonnement sur Amazon Prime, en fait, vous avez un, un moyen de lier votre compte à Twitch et d'offrir un sub tous les mois à un créateur de contenu de votre choix. Pensez-y, euh, si jamais euh, vous avez la possibilité de vous sub à la chaîne ou de lâcher votre Twitch Prime, ça nous soutient énormément. Merci à tous. Ah bah, T'as monté ça en 2-2. En 2, incroyable. 2 Twitch Prime, c'est parti. Oh, merci beaucoup, AstroVIP, pour les 5 subs offerts. Merci. merci énormément. Hop, on part avec Twitch Prime tout de suite. Ouais. Je vais vous rappeler tous mes decks comme ça. Hop là. C'est parti. Twitch Prime 1, Twitch Prime 2. Vous pouvez aussi, j je ne sais pas, pas si je l'ai dit, je t'ai concentré, euh, prendre plusieurs subs d'avance, donc trois mois ou six mois, parce que vous avez la réduction du September, même si vous prenez plusieurs mois d'avance. Donc si vous voulez. Tout nous à fait. Ah, le... hein, C'est le moment de prendre trois ou six mois, par exemple. Euh, ce n'est pas pour pousser la consommation. Au contraire, ça vous fera économiser quelques euros sur, euh, sur les mois tout qui arrivent. À fait. C'est le moment opportun pour ce sub, en tout cas. Merci énormément. De toute façon, on rappelle que tout notre contenu est entièrement gratuit. Oui. Mais du coup, si jamais vous voulez. Euh... Si vous voulez qu'il soit pas gratuit, à. vous pouvez. C'est un, un moyen, de le faire. Ok, c'est parti avec ce deck survie. Vous l'avez compris, l'idée, ça va être d'utiliser euh, la stratégie offensive agressive offensive. des bonnes cartes Lesnia et, les signats, et euh, notamment d'avoir à la fois des véhicules à piloter ou des montures à sceller pour pouvoir engager Kona et donc du coup de des cartes gratuitement de notre main. Oui. Non, je pense qu'elles sont cool les, les lines, mais on n'avait pas envie de se focus sur des cartes qui sont très euh, Dépendante de certaines stratégies bien particulières. Je pense que la ley line rouge est globalement la meilleure, en tout cas celle qui demande le plus envie de builder autour. Mmh. La noire, on la connaît déjà, c'est une carte de hate de side bien connue. Et on va dire que la blanche, elle est un peu anecdotique. Et la verte et la bleue sont plus junk d'après moi que, que vraiment puissantes. Oh, une plaine. Quelle grâce. Ok. Bon, là, du coup, il y a absolument tout ce qu'on veut, c'est-à-dire destrier tour 2, navire tour 3, into Kona tour 4. Parfait, la curve ultime. On a ça. On a un petit destrier tranquillou. Ah, la cool. <coughs> Qu'est-ce qu'il cache ce destrier Sous son sourire. C'est la carte qu'on a révélée en plus. Ah, bah, parfait, oh, tu vas pouvoir navire. Voilà. Je joins l'utile à la parole. Ah, ça les fait ça les fait goleries, les gens. Hein, ah de, jouer, euh, de jouer mono noir Half-Life. Ah mais ex MTG, c'est normal, on l'a déjà affronté. Ah oui, c'est le même. Tout simplement. C'est pour ça. Deux points de vie. Et oh, merci, merci Saint-Machon, euh, Saint merci beaucoup pour les, les sub-offers, Merci euh, Arban et 82, merci à tous ceux qui, qui sub à la chaîne. Merci à Azure euh, 5059 59, on l'avait pas vu, pardon, merci beaucoup. Merci, euh, merci à tous. Dommage qu'on n'ait pas le petit qu'on euh, ah ouais, a. Le, land le petit Kona. land. Pas le petit land, ça fait chier. Tu peux. Tu peux même pas sceller, c'est un peu con. Euh, -ce que je... Alors, sceller. attends, si tu quatre peux de peux. Gar... Alors, si tu peux. Tu peux gardien, modèle réticent et sceller avec destrier. Mais du coup, tu attaques dans un 2-4, c'est pas très bon. Ouais, je perds, je gagne 2 PV, j'ai un 3-3 fly. Je crois que ça vaut pas le coup. Mais tu pouvais, si tu voulais le sceller, passer par gardienne qui croue. Et du coup, tu aurais scellé une monture avec un véhicule, ce qui n'a aucun sens. C'est fou. Oui. C'est vraiment fou. C'est vraiment le mecha dans le mecha. Euh, du coup, là, on peut. Paf, paf. Mour, euh, mourir à la combo, oui, on peut, oui. Ce qui va se passer dès le tour d'après. Oui, oui. Excellent. Je garde ah, ça, gardé. on sait jamais. Malheureusement, c'est gardé, mais. Et il va avoir le vol Ouais, vas-y. Un peu les, aux F... Les points de vie contre lui, ça a pas l'air très pertinent. T'es pas obligé d'attaquer en scellant. Ouais, mais dans ce cas-là, si on scelle, mais que. Euh, si, si, il attaque tant qu'il est scellé pour faire le token. A chaque fois que le destrier séraphique. Oui, voilà, il faut qu'il soit attaquant le destrier. Pour... Tu peux sceller ah. sans attaquer, mais ça n'a pas d'intérêt. Vas-y, vas-y, prends-nous un truc. Nous, ce qui nous intéresse, au-dessus du pack. J'aime bien cette idée de faire des Oblivion Ring qui font des trucs. Exactement, Gardeval. C'est pas vraiment un O-Ring. C'est un peu ce que je débattais avec PL. J'aime bien la carte parce qu'elle synergise bien avec Chauve-Souris et Kona. Chauve-Souris parce que ça se croue naturellement dans la curve et Kona parce que ça te permet d'engager ta bête. Mais c'est quand même pas un O-Ring, ça prend pas les permanents, ça prend les créatures. Mmh. On va prendre 4. C'est quand même un peu différent. Je précise. On va reprendre 4. Statut 8 hein. Allez. Ah là, tu vas pouvoir commencer à saucer. Ça fait plaisir. Alors, je peux le sceller pour mettre deux et faire un ange. Bon, oh, ça a l'air. Ça va bien de faire ça, non Ok, de le sceller, ouais, ouais, complètement. Merci pour le Prime, Adelwin. Merci à tous. Non, il n'y a pas le 10-1 dans notre buzzas. En tout cas, moi, j'aime pas trop la carte et je crois pas que PL soit très très fan non plus de, de la carte. Quoique toi, tu aimes bien la meule, donc tu pourrais te, te laisser tenter par un build, mais, mais on bien, vous a toi, pas la meule. Euh... Ouais, t'aimes bien, t'aimes bien toi ça, là, ces cartes de con comme ça. là. Mais le fait que ce soit une 10-1 pour 3, je trouve que c'est marrant et que ça doit permettre de faire des trucs, mais euh... bon. Juste mettre tu... des coups à 10 en meule. Ouais, je suis pas client, moi, en tout cas. Et voilà, et on est dans la merde avec ce démon. Il est moche en plus. <laughs> Il n'est pas réussi de fou ce démon, ouais. Bon après tu vas euh... jouer un cona pour cheater un cona, ok c'est nul. Ouais, ça n'a pas l'air bien. Tu peux faire grossir encore ta gardienne. Ma gardienne est mon et modèle. Tu coups... Et tu coup ton modèle. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre Si je peux et jouer ça. Ouais, j'ai pas d'autre solution pour toi là. On a pensé à cheater Valgavot, bien évidemment. Il y a plein de manières de le cheater, mais euh, on pouvait pas tout proposer ce soir, donc on, on a fait des choix. Ouais, bah engage tes, tes artefacts, ouais. Oui. Si, il doit y avoir moyen, euh, corval. Yes. C'est un rituel, évidemment. Merci pour le sub en tout cas. 58ème mois d'abonnement, c'est incroyable. Euh, pff, marqueur sur lui, Il grossisse vite. Non. L'idée de jouer un truc gratuit avec Kona, euh, c'est vachement sympa quand la seule carte que t'as en main, c'est pas un deuxième Kona. Ouais. Et en plus il le sait, donc il se dit bon bah ça, je suis tranquille. On aurait dû mettre 4 Atraxa dans le deck, au cas où. Ah justement, je voulais pas utiliser Kona comme un, comme un turbo cheater de Valgavotte et d'Atraxa, mais plutôt comme une carte qui fait beaucoup de value, tu vois. C'est que tu m'as dit avant le stream, je voulais pas trop gagner de game. Donc je fais des trucs un peu moyens. Oh, je rigole. Je rigole. Oh, je, rigole. je pense que c'est bien. Hein euh, T'as quand même la, la vagabonde à cheater gratuitement. Ouais ouais. Je pense que la mécanique du deck fonctionne bien, mais que juste, bah lui, là, son, son deck est... Bah il a il deux bon. cartes combo avec plein de cartes de son deck. Et des ouais. tutors. Oh le nous, coffre de la hype. Est-ce qu'on ouvre le coffre de la hype oh. Incroyable, on a gagné un coffre de la hype, merci, oui. quelle est oui. ma récompense Vas-y, j'ouvre. Une émoticône, oh, trop bien Une émote Megamlep, incroyable. Oui. Petit drain de V4. Ah bah cool. Il dit bientôt si si s'il pourra attaquer. Oui Je peux partir, Val, s'il te plaît. Est-ce que tu as un moyen d'engager ton modèle réticent, enfin de mettre un marqueur sur ton modèle réticent là, sans le devoir l'engager Dans le tour, non. Alors je crois que tu peux partir. Ouais. Je crois que c'est bien joué. Et... <coughs> et on bien va, sûr quoi. que le Greston, tu peux le, tu peux le tutoriser. Mais on a un deck euh, si ça vous amuse beaucoup euh, de faire ce que fait X. On en a un dans la besace, mais c'était pas celui qu'on avait envie de vous présenter en priorité. Avec le DT du 7, tu peux le tuto. Ouais, ouais. Sans delirium. C'est tout le concept. Et Grave 100 surtout. Je vais chercher Grave 100. Je vous plains les joueurs de BO1, vous allez vous manger des euh, tours 2 tuto, tour 3, chauve-souris, tour 4, Grave 100, tour 5, tumeurs. Ça va être euh, d'un relou. En, en vrai, je sais pas, parce que c'était déjà faisable de manière quand même plus ou moins consistante et en vrai bah, Fallait assembler la combo là, t'as un tuto en plus, quoi. T'as un tuto en plus ouais. Plus je pense quand même pas que ça sera un deck giga populaire. On me trompe peut-être. Ah dommage, la main est un peu lourde, je m'en Ah ouais, elle est pas bien du tout même, ouais. Là elle est cool. Bestrier euh, ah, dans Willy dans... Oui, c'est cool. J'enlève Tyver je crois. Ouais. Bon il faudra trouver un petit land coloré mais... J'ai confiance. Ça va bien oui, se passer. Confiance. On a Célestina aura dans notre besace, non. Mais, euh, mais j'ai vu passer des listes très euh, très très bonnes. Yes! Ah, dommage. Allez, fais un petit coup de gardienne. Oui, on voit. Excellent. Oui. 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 On va jouer le Willy tout de suite. On va pouvoir jouer autre chose. Oui. Ah, si, il va enlever ça. Nice. Willy. Pourquoi si tu commences par Willy Pourquoi tu commencerais par Willy et pas par Seraph, par Destrier Willy, je trigger, pas je fais mon scry, place. je pioche une carte. OK, vas-y, vas-y, vas ça me va. J'aime bien Willy. Ça te permettait d'activer Destrier dès le tour d'après. En fait, tu perds un tour de Destrier ouais. euh, mais tu gagnes un tour de gardienne. Je pense que dans l'un dans l'autre. J'ai l'impression que le deck pioche pas assez pour que Kona ait beaucoup de possibilités quand tu le joues. Euh, ouais, tu es souvent. Oui, Après, euh, ouais. en fait, tu peux cheater la vagabonde. Hein. Mais en fait, tu t'en fous de ce que tu cites. L'idée, c'est que si tu engages Kona, tu joues un drop 2, 3 ou 4 de ta main gratuitement. Ouais. C'est déjà bien, en fait. On n'avait pas besoin de plus dans la stratégie qu'on a envie de mettre en place. Lui aussi, il joue mono noir. C'est quoi ce délire, là, dans deux secondes de jouer mono noir, les poulets Vous avez vu toutes les possibilités qu'il y a C'est quoi cette histoire, là Bon fou. Le zin les gens. Merde, non je suis con. J'avoue, ça fait, euh, ça fait euh, pas mal de stream d'AP. Euh... Ah, si c'est bon. T'as pas engagé ah WillyDo euh, Je vais pas piocher ou okay, qu'il me discarde, justement, je vais le laisser là. Ok. D'habitude en stream d'AP, on tague les Français. On a... n'est pas ouais. tombé sur un seul français là pour l'instant. Ça va arriver, n'inquiétez pas. Bah sont-ils en stream Peut-être qu'ils stream plus tard aussi. Euh... Ouais, bah il y, y a Thierry et Bondi, à Minima. Ok, oui Bandit, c'est vrai que j'ai vu euh... streamer. Bon oh, vas-y, mets deux, hein. Allez, hein. Bon, noir c'est populaire en tout cas. Euh, C'est probable que Thierry fasse du limité, tout à fait. Oui, donc on va Parce pas le faire. Alors j'ai pas regardé à quelle heure ça finit, mais normalement oui. Je pense. Il te fait quoi là Il Sacrifier deux ah, bêtes a, je que je contrôle. Inspecteur okay. et destrier. Hein. Ouais. Du coup, je vais d'abord euh, gérer chauve-souris. Tout à fait. Ah, euh, tu veux. Bah non, on s'en fout, non Tu veux pas d'abord juste gérer Prêcheur Ouais, tu t'en fous de chauve-souris. Ok. C'était pour je récupérer pense, hein. un truc et re... rejouer. Mais... Je suis pas sûr que ça soit déterminant. Là, tu peux juste bourrer. Si je double bluffer. bloc, t'es content. Et si double bloc pas, tu peux, tu peux piocher avec. Bon, je crois que t'es fine avec ça. Je suis Picobellus, là. Ouais. Je peux quand même piocher un gros. en cours, réponse. Ouais, ouais. ouais, voilà. Tu es le seul à qui ce set donne envie de jouer mono -raid. Non, il y en a pas mal, notamment avec le 3-3 célérité, là, ça a l'air de hyper les gens. Ouais, j'en ai retrouvé un, et j'en ai un deuxième. Discard-proof. Bah, tu vas pouvoir piquer son. Son, son greffe sans, sang ta classe En fait, le problème de jouer oh. mono c'est toujours pareil. Ouais, oh, c'est cool. Le problème de mono Red c'est toujours pareil, c'est qu'il y a Grulspell Spell et que je trouve que Grulspell Spell est un upgrade en tout point actuellement à Monored dans le standard. Mmh. Donc il y a des possibilités de faire un bon Monored mais est-ce que ce sera mieux que Grulspell Spell Je suis pas sûr. Il veut que je fasse quoi ah, que je sacrifie la moitié des créatures que je contrôle. Et je peux pas crouser ça du coup. Dommage. Tu peux jouer ta vagabonde en rituel ouais. si tu veux, mais. N'oubliez pas que vous pouvez sacrifier des indices engagés. Je vais me faire Merci pour le prime euh, ça. Wengal. Merci Wengal. Euh, Fais ta vagabonde en réponse, je pense. Non Zou Surprise Excellent. Anti-bête. Yes. Ah bah s'il est anti-bête, il est anti-bête le poulet après. Qu'est-ce que tu veux y faire Eh c'est la vie, hein eh, ouais. Ah bah non, pas pour euh, faire le tricks Bon ouais, après tu vas quand même lui proposer 6 points. Hein. Pas lui faire. Euh... Allez, c'est l'heure de la tartine. Pas lui faire plaisir cette histoire, je pense. Petit Willy qui pioche une petite carte aussi, on dit pas non. Pan. Repens. Non, on n'a pas Nico Harris dans la buzz euh, est ce Est-ce que je pioche ou est-ce que je tente la portée surprise Non, il a revenir. Ouais, ouais, je peux piocher n'importe quand. Ouais, je pioche maintenant du coup. Ouais, puisque tu peux trouver un actif à jouer. Bien. Ah, oh, t'as vu loin, pas loin Il est venu, partie loin. sec. Il est venu, à partie direct, ouais. Dans notre buzz, on a quand même une huitaine de decks, mais il y a tellement de synergies poussées par Doskwound qu'on peut pas tout vous présenter ce soir. Une liste avec Kaito, c'est la prochaine qu'on vous présente le vrac. Et là on est encore dans un spot où Kona, on n'en fait rien, quoi. Un peu frustrant. Puis je le tuer pas loin de pouvoir en tout cas hein. mais oui c'est l'étal hein. doucement mais sûrement euh, ouais. hop, là, je oui qu'importe comment il bloque c'est dead un peu gourmand le garçon là non ouais, je crois qu'il a, a, a un peu top deck hein. il a pas vu oui mais il était pas obligé d'attaquer ah, la souris du coup faire le démon surtout Ouais, ok, je pas vu. Non, pas 0.5, pas 0.5, euh, Mais J'aime bien euh, cette liste-là, hein. mais je crois pas que ce j... soit Kona. un peu mignon. Non ouais, c'est un peu mignon, je crois ouais. pas que ce soit Kona qui soit... Qu soit brillant. Mais globalement, pour, pour te dire, je n'ai trouvé aucune liste de Kona euh, sur Internet. Sur... Ouais. Il n'y en a pas. c'est pas du tout la carte qui a le plus intéressé les, les créateurs de... Mais peut-être qu'on a la base du décona et que le... les payoffs, genre les gros trucs célestes intéressants, ça se jouera plus tard. Peut-être que c'est des listes qui joueront des, des trucs comme des vertus, qui sont des early drops, ou alors que tu peux jouer à 7 mana et que Kona les cheat en ouais, jeu. Tu vois. Je trouve que c'est trop dur. En fait, pour moi, il faut que Kona cheat des trucs dans un deck agressif où tu as envie de jouer des bêtes et tout. Ouais. Si tu veux faire un truc un peu plus late game ou contre ish, en utilisant Kona, en fait, tu utilises des spells de réanimation. quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il faut, il faut trouver Kona comme un comme une carte de comme une carte d'agression ou comme un plan d'ensemble de jeu créature et ça te fait un peu la value juste de drop une carte tu vois mais mm. si tu commences à vouloir mettre des galta et des mavren dans ton deck Kona, en fait je jouerai animator ça sera mieux tu auras des piocheurs des anti bêtes euh... ouais pour moi Kona, il faut trouver un build qui est proche de ce que j'ai fait là mais j'avoue que ça fonctionne pas très bien là j'ai pas le pas ce... le bon feeling je vais en, en mettre une petite allez en mettre petite. Une tu peux en une Ensuite, ]ière. on partira chez les ninjas. On partira chez les ninjas. Ouais. C'est le cri du ninja. Oh, Covered Go MTG. Let's go. Putain, on l'affronte avec notre. Pas notre meilleur deck là de la soirée. On l'affronte pas avec notre meilleur paquet. Oh, tu lui fais une sortie un peu brosse convoque là. Euh, pas un, mal, peu co euh, un peu cossu. Il ah, mmh. va jouer des pyroclasmes. Imagine. Imagine. Surtout l'impression que tout fonctionne bien sauf Kona. Oui. Peut-être que c'est pas bah son deck, en fait, Kona. Exactement ça. Mais du coup, j'ai du mal à voir quel est son deck. Oh. Joli. Ah il est chiant. <laughs> Joli mais chiant. Eh ben moi, je fais gardienne et inspecteur et je fais quand même. Je fais voir euh, Auré du Bois contre moi. Ça. Ouais. Bah, ouais c'est ouais. ça. Si tu, si tu l'avais posé, ça nous euh, ça nous défonçait. Pardonnez-moi, je sors de la oh. maladie. J'ai je vais couper mon micro de oui, après je pourrais faire destrier pour attaquer potentiellement écoulis tour d'après mais mettre plus de board, surtout si je suis au mono bleu ça m'a l'air mieux ouais, c'était effectivement mieux forêt, euh, ça me permet de jouer quoi on va jouer destrier et gardienne Mettre un point de dégâts. Utiliser gardienne. Hop, hop, hop. Pardon. Bon, on a assez de land. Essayez de proposer des trucs un peu costauds, quoi. Ouais, le destrier, c'est la carte qu'on avait spoil, effectivement. Euh, la salade d'accueil du buffalo, qui est d'ailleurs wow. délicieuse, cette salade d'accueil. Moi, je suis déçu qu'il n'y ait pas un vieux qui s'appelle le petit pain tout chaud du buffalo. Qui va de pair avec la salade d'accueil du buffalo, hein, pour le coup. Ah! Ah, un excentrique. Voici donc le, le, le but du propos. Ce que Covert blue euh, cachait. Qu Qu'est-ce que, que tu caches, caches Sous ton sourire. Eh ben c'est cet immondice, l'écorcheur d'esprit. Je me doutais qu'il bloquerait pas. Hein. Je me suis permis d'attaquer avec tout. Oui, oui, oh, bon. Fais donc, fais donc. Il peut lancer. Oh il blinque l'ange Ciao Il l'a buté Il l'a buté quoi, quoi. J'aime bien cette petite piscine Piscine sans fond avec un petit vestiaire Bam Pas de dégâts me le disent Ouais eh c'est vraiment naze Je suis désolé faut le dire ne hein. peux pas avoir un land de merde pour une fois, fois qu'on a Konat qui, qui fonctionne euh, J'ai le seum moi J'essaye oh. j'essaye je comprends pas moi J'ai le seum là oh Ouais, c'est pas grave, en vrai il peut te taper encore six fois donc euh, tu peux descendre un petit Willy, euh, petit crew et let's go. Ouais il peut me taper trois fois. Euh, c'est comment C'est comme ça euh, Je cliquais partout là, je sais plus. Ouais, J'ai un peu bottom les landes aussi. Hein. Un peu bottom du land, ouais. Parce que là tu faisais Kona, Je tu développé aussi ton destrier, tu pouvais te cheater euh, je sais pas, un autre destrier par exemple, c'était cool tu vois. Ouais. Et des destriers, et des destriers, des destriers. Sans fin, sans cesse. Et des destriers à l'infini. À perdre de vue, les destriers. Il va faire piscine. Je... Ah, C'est vrai, ce vrai que ça 3 peut 3 être 3 un commandeur, euh, celui-ci. Incroyable. Il est légendaire. Salut Gagar, ces AP sont délicieuses. Gagar Shimon est un set extrêmement stimulant. Bon, C'est-à-dire que vous êtes lourd, là, euh, covert. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il donne la double initiative. Merci merci beaucoup. N'hésitez pas, c'est le September si vous voulez nous soutenir. Bon, du coup, là, on s'en fiche de Connard. Je pense qu'il faut que tu restes sorti Explosive Up quand même. Ouais. au cas où. Juste pour pas Et crever là, je... par surprise. J'attaque avec je tout. Tu bourres, hein ouais, complet. Est-ce ouais. que je peux pas descendre un truc? Non, je peux pas. Rien de pertinent. Non. Oh, je le bute. Ok, ok, ouais. Il y à un. Là, je crois que je vais essayer de lui tuer ça. Parce ouais. que s'il a un contre, bah, c'est sa dernière carte et euh, il faudra qu'il top topdeck de quoi nous tuer. Tout à fait. C'était bon, un contre. Et tu développes juste un destrier et. Oh, le destre. Et go, hein. Tu retournes sur Arena après deux ans, un kiff. Ah bah tu ah vas kiffer la nouvelle extension sur NRS. Hein. C'est le bon retour, c'est clair. Là, je crois ouais, qu'il est en est train ça, de se dire mais c'est euh, euh, un deck de Outlaw, en fait. Ils ont pas compris, les gonzes. Il nous met combien, là ouais, ça va. En fait, ouais toutes les cartes, quoi. Il nous a meulé toutes les cartes euh, nouvelles. Toutes les nouvelles, ouais. Allez, ça s'arrête là, poulet. Et ouais. Et ouais. Allez, tout sur le bonhomme. Et bien joué. On comprend qu'il ait essayé, c'est marrant, mais ça a pas l'air du tout brillant comme deck, euh, ce deck mono bleumeul, quoi. Ouais. Ça fait quoi de, rêver, de gagner avec la carte que vous avez révélée pour Outlaw Ça fait petit plaisir. plaisir hein. Moi, c'est l'avait déjà, euh, déjà joué. Hein, oui, ouais, on l'avait déjà joué. J'ai un petit, euh, un petit plaisir et en même temps, ça fait un petit déplaisir. Euh, J'adore jouer Tiny Bones en Commander multi. Enfin, j'adorais. ça fait longtemps oui, que je joue plus. On l'avait ouais. Parce qu'on l'avait révélé. C'est une carte qui était vachement cool. J'adore la carte. Mais en même temps, ça me fait jouer mono noir Discard. Du coup, les games que je fais ne sont pas forcément très agréables pour mes opos. Du coup, maintenant, ouais, les gens sont pas contents de te recevoir à la table avec ce deck-là, ouais, c'est clair. Ils chuchotent et tout là quand je suis en train de jouer. Genre, ils peuvent faire ça ce... Merci beaucoup pour le sub, Viropovitch. Merci NRS57. Merci énormément à tous ceux qui soutiennent. C'est très, très cool. Est-ce qu'on partirait pas sur les ninjas, tiens C'est l'heure du ninja, hein bah, Ouais, ouais, c'est l'heure du C'est le cri du ninja. Euh, comment je fais comme ceci est-ce que tu aurais une douce pizzerie n'est pas un ninja, c'est un samouraï. C'est vrai, autant pour moi. Oui, mais si, ouais, si il finissait un ninja, il s'en plaindrait pas. Tu, oui, s'il si dérivait ninja, ouais, tu n'étais pas ouais. choqué. Euh, ouais, D'ailleurs, tu peux parler de, de demain soir pour Twitch, pas pour YouTube, désolé. Euh, je peux parler de demain soir parce que demain soir, il y a quoi Il y a un super show. Il y a un super show. Mais oui, bien sûr, il y a une supercherie même. Pas du tout, il y a un super show. show J'avais complètement, euh, complètement zappé. Tu vas animer ouais, un super show magic sur voct à la belle carte avec en concept tous les boosters sur un euro prix de départ. Demain soir, c'est un show booster. Point l'exclamation Vocht dans la description. Ça m'était complètement sorti de la tête. Tu vas dire, ah, tu peux parler de demain soir, je suis en mode Demain oui, soir, demain je sais soir. Pas, euh, petite pizza, tu je... sur le... je... oui, voilà, que sur le canapé avec la compagne. Euh... Tu sais, dans la tête, je suis en mode putain, merde, on a un truc de prévu demain soir, je ne suis pas au courant. Non, il y a un show Vox, évidemment, qui commencera à 18h, qui sera animé par PL. Le concept, c'est un euro prix de départ. Vous pouvez télécharger l'application dès maintenant. Vous avez le code, la belle carte, qui vous permet d'avoir 10 euros offerts sur vos premiers achats. C'est un code qui fonctionne les deux premières semaines. Donc, si vous créez l'application, faites un achat dans les deux semaines pour ne pas perdre le code. Ça nous soutient et ça vous permet, vous. Bah du coup, d'avoir 10 euros gratuits, c'est vachement cool, tu vois Ça te permet d'acheter quasiment deux boosters en fait, de manière totalement gratuite. Et euh, le concept là, c'est que tous les boosters seront un euro prix de départ et et battez-vous, voilà. Et, et bref, Franchement, ça va être sympa. Ça va être très très sympa. Et là, euh, on est euh, on est sur une liste donc du coup Dimir tempo mais avec un sous thème ninja. Alors le sous thème ninja, euh, il s'arrête globalement à Oiseau Moker et Nashi. Mais ça fonctionne bien parce que de toute façon, Kaito n'a même ça. pas besoin d'avoir d'autres ninjas pour fonctionner. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu vas très facilement pouvoir euh, faire le ninjutsu parce que tu as Moker qui a vol, Nashi qui a le ninjutsu et Furter qui a euh, l'imblocable. Mm -hmm. Et donc c'est vraiment une autre adaptation de ce que faisait déjà Dimir Tempo, mais avec les nouvelles cartes. Je, je, je la trouve très très cool comme, euh, comme, comme liste. Très cool. Euh, ninja, oui, oui. Oui, oui, ninja, oui. Oui, oui, c'est ah, Ninja. Vu ninja ouais, ou ouais, as pas ninja. vu bah, Ça ressemble euh, à des oui, ninjas quand même. Oui, je des ninjas, oui. Ayatobi Bodex, c'est incroyable. Continuer. Il y a Ayatobi qui vient. Mais sur non le deck ninja Et on a dit. Et on, et parlait on, a dit que, on parlait de toi. On a dit que t'étais un samouraï et pas un ninja. Mais du coup, tu peux nous confirmer. Tu préfères être un ninja ou un samouraï Je pense que c'est samouraï. Mais comme je te disais, genre si on te dit, ah bah ben, samouraï, c'est déjà appris, tu peux être ninja. C'est ok, quoi. Oui, le timing est fou. C'est incroyable. Et, et en même temps, c'est vrai que comme il est fan de enfin, il est fan, il maîtrise le le, le, le ninjutsu de la brume. Peut-être que c'est un ah truc oui. de ninja et un moral, toi. Ah oui oui, très, euh, très brume ici. Carrément. Alors pour ceux qui connaissent pas Yatobi c'est le patron de, de Arma TV. Si vous, vous êtes pas au courant. C'est faux. C'est terrible. Non, c'est <laughs> Je... c'est Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout évidemment vrai. C'est pas vrai. C'est euh, de, de du private joke. Je fais un bon play ou je fais le play euh, contenu C'est quoi le bon play C'est quoi le play contenu Le bon play, c'est chauve-souris Chauve-souris. Fais le, fais, le, fais le bon play en vrai. Ah, fais le bon play. Hein, on s'en fiche du play contenu. Tu vois quand même les, mmh. les jouer, les, les autres cartes. Alors rien à voir avec une ressemblance avec le vrai patron de, de Arma TV. C'est vraiment de la, de la private joke. Hein. Mais c'est fort ça euh... Ah oui, mais c'est un reprint. Ouais. Tout est très fort. Qu'est-ce que tu veux lui enlever La bête hein. Ouais, ouais ouais, laisse-le laisse-le grossir le on furter. va faire un Megazord et on essaiera de, de le tuer. Attends que quoi C'est possible de faire une Kaito après avoir récupéré sur un trigger de Nashi. OK, trop bien. Ah oui, parce que tu switch avec une créa Ah ouais ouais. Nice. Et du coup, est-ce qu'on continue à l'eau fraîche J'allais répondre à ça avant qu'Ayatobi arrive sur le chat. Oui, je continue à l'eau fraîche et je crois que toi aussi, PL, de ton côté. Alors, je suis censé recevoir... Ai en, je n'ai reçu qu'une seule box depuis le début parce que les autres ont été annulées. Euh, donc, je suis censé okay. recevoir ma deuxième box vendredi. Si elle est encore annulée, euh, désolé, mais moi, je vais résilier parce que bah, du coup, je ne reçois jamais. Et euh, c'est un peu relou. quoi. Mais si je recevais... Bah, ça ferait un mois et demi que, que je continue. Moi, de, de mon côté, je suis la chance de recevoir. Toi, tu recevras, donc ce euh, que tu achètes ah bah, je, je, reçois de, je reçois d'ailleurs demain, donc tout, tout se passe bien à ce niveau-là. Je vais faire ça et pêcher une carte. bah Oui, tout à, fait, hein, tout à fait. Pourquoi tu ne reçois pas Parce qu'il y a un problème d'acheminement, etc. Et comme c'est des produits frais, dès qu'il y a un problème, ils ne te livrent pas, ils te remboursent. Sauf que euh, moi, comme ça représente quand même 10 repas en tout, je ne fais pas mes courses pareil tu vois. Et du coup, à force de... Ah ben bah, au dernier moment, ils me disent on vous livre pas aujourd'hui. Et... et alors que j'attendais ça et que je dois aller faire du coup des courses, c'est un peu relou. Alors vous allez me dire, c'est pas trop grave. Mais quand ça fait genre trois fois, ça fait un peu chic. Je, je comprends. C'est bizarre hein, en vrai. Hein. Je suis Juste, t'es es dans le... Et là j'ai changé de le bad spot. quoi. Je me suis dit, ça fait deux fois que le mercredi ça bug. Peut-être que euh... du coup le mercredi, ils n'aiment pas me livrer. J'essaie le vendredi. Si ça marche pas non plus, bon baf. tant oh, pis. Je réessayerai quand je déménage, voir si c'est l'adresse, et si je reçois jamais, je fais bon ben, bah, c'est bon. En, cas, si rece... ouais. en tout cas, si vous recevez vos box, euh, ah, moi je suis, vraiment, ouais. sais, je suis vraiment satisfait du service. Ouais. Euh, je suis content d'avoir eu une op avec ça. Je suis content que les gens nous aient soutenus euh, et aient testé. Moi, bon, pour le coup, ça m'a plutôt convaincu. Ouais. Ouais. Et on n'est plus en op. Hein. Vous ne pouvez plus nous soutenir. Mmh. Je mmh. le dis vraiment de bon cœur. Quoi. Euh... Il va falloir le, le air-taille un moment, euh, le, le Furter. Mais attends, il peut donner défense Manique, là, c'est ça Ouais. Ouais, c'est chiant. Il a l'air bien ce, ce deck aura hein, pour le coup. Est-ce que t'attends pas avec air up Je vais essayer de faire ça fin de tour pour lui faire tomber ça. Ouais. Et je vais voir après si je trouve autre chose. Hein. Et, et on va voir, ouais. Développer double furteur qui me font piocher beaucoup de cartes tour d'après, c'est intéressant aussi. Il nous a pas dit à Yatobi s'il était plus team ninja ou team samouraï. Ben il est reparti dans l'ombre, mec. C'est vrai. Il repart comme un ninja. Ou comme un samouraï. Hein. Est... Je pense que le ninja est plus discret que le samouraï. C'est ouais. dans, le... dans la voix du ninja, tu vois. C'est vrai. Oh C'est incroyable ce qu'il fait, le... le bestio. Pardon. Il te, sort ballon, à droite, là. il te le montre et ça dégage. <laughs> Droit dans les yeux. Hein. Du coup on a la réponse à un ninja. Ouais, carrément. Franchement, pilleuse de poubelle. Optimiste en plus. C'est vraiment très fort comme carte. C'est hyper fort. C'est un bon tour. Ah, dans le deck en tout cas où ça marche. Et ils ont fait attention que toutes ces synergies soient en parce que le popper aurait été euh, pulvérisé sinon. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis nous, ça nous permet de faire, dans l'autre sens, des super decks budget. On est mort Ah non. On est pas loin. Hein. C'est bon, il n'est plus imbloquable. Ah oui, mais j'avais juste à attendre. Enfin, quoi que non, on est peut-être crevé aussi, au d'un moment, mais... Ouais. <coughs> ok. Bon, c'est chiant là. Déjà, je gagne un point de vie. Ça, c'est sûr. Je ne pioche pas. Ayatobi en fait c'est le ninja qui vole et boxe l'eau fraîche. C'est pas que tu les non, reçois pas. Hein. Ah mais en plus il habite pas loin de chez moi. Hein. Ah ouais C'est très plausible. C'est lui plus, il te disrupte. Et du coup il commande bien euh, PL ça va Genre il dit... Ah chier. Ah Je déteste ce spaghetti mais... <laughs> Putain il a encore pris du saumon ce con <laughs> Excellent. Allez hein Oh, j'y mets un board, Val. Ça te dérange pas ah, que j'y mette un board ah, J'ai aucun problème sur le fait que tu y mettes un board. Hein. Tu peux y aller. Ah Bah, tu as exterminé. Je m'en occupe. Oui, oui, mais. Faut que je m'en occupe. Putain, ce côté un peu vieille télé qui grince là, qui couine... Euh... J'aime bien, moi. Ça... J'aime bien, mais ça a tendance à m'énerver quand c'est l'opo. Tu vois ou pas Je vois. Yes Joli. Merci. Merci, Jean-Chi. Salut, c'est Jean. C'est Jean-Chi. Jean-Chi. T'as pas un petit ballon a... pour moi Merci. Il y a une version Boros et il y a une version Celestia, Je pense que la version U-White. Euh... Elle est cool, quoi. Allons-y. Il y un moment, c'est chiant. Euh. Franchement, tu vas devoir piocher, je crois. Je pioche une carte. Ouais. Je pioche une euh, je carte. Crois a... Je crois pas qu'il faille jouer les versions bandes. Je pense qu'il faut rester vraiment, genre, bicolore. Je pioche pas. Je pioche. Oiseau moqueur, oiseau moqueur. Tu peux copier une chauve-souris sur J'aime bien. X égale 1, c'est celui Ouais, ouais. c'est le mana que tu auras dépensé qui compte. Alors, ta carte. Oh, la belle plaine Oh, Ce que tu caches sous ton sourire et GG okay. J'ai cru que c'était une vrasse. Je suis en train de lire le chat. J'ai dit quoi <laughs> Mais quoi Mais qu'est-ce qui se passe Ça fait quoi cette nitessence là Ça pioche sur les petites bêtes. 75% de son deck, du coup. Tiens, bouffe ça. ça. Bien, ouais. oh <laughs> en plus, lui, il a dit Oh oui, oh oui, oh oui, je bouffe. Yeah, yeah. eh, C'est dur. Hein. Euh, C'est rigolo, rigolo, il y a bon, un bon, board. On va prendre un pion, ta là. Euh, T'inquiète. Tu, tu peux donner ton land, si tu veux. Lui, il va prendre deux marqueurs. Lui, il va piocher. Et ensuite, j'en pioche une. Ouais. J'en pioche, pioche une. Un vas-y, vas-y. Vas-y, encore une petite. J'en une. Et on est mort. On n'est pas mort, mais c'est chiant. J'en pioche pas. Non. Ah Ouh. Il fait quoi, Ouh. Kaito je peux mettre deux marqueurs stun là-dessus, comme ça il arrête de nous cogner. Je peux tuer deux de ces trucs et je bloque ici. Par contre, s'il si a removal, je suis mort. Les gens jouent ça. Mec, il a 1, pas removal. Impossible. 4, 6, 6, 7. Impossible. Kaito. Ensuite. Merci. Kaito qui fait moins 2. C'est vrai qu'il arrive direct sur ton board et tout. Stylé, hein. Il y a une bonne bouille, ce pas Kaito, dessus. je l'aime bien, moi. Je tue ça. Ouais. Removal. Mais attends, Mais attends, 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 dans ce cas-là. Interférence, c'est à moi qu'il paye deux, c'est ça Ouais. Ah là je ouais, pense qu'il est payé. Il aura de quoi payer. Non, je tue comme ça, il ne peut pas protéger en réponse. Eh ben removal, on est morte, c'est quoi C'est la vie que j'ai décidé de mener. Pas de problème. Je mourrai, mais je bien. mourrai en ayant choisi. J'ai eu très peur, c'est pas fini. C'est bon. Et eh bien oh on merde. est mort. Est Putain merde euh... C'est trop fort. Ah on aurait pu attaquer avec une bête de moins, franchement on l'a gagné cette game. Trop fort. Après j'étais pas obligé de piocher Midland hein. Entre nous. Entre nous, j'étais pas obligé de piocher Midland. On prenait jeu en fin de combat et on aurait dû mettre en full contrôle. Ouais. Le jeu nous a passé la prio mais on aurait pu... Ouais. Ah, le C'est pas grave. Il y en a qui top deck, il y en a qui top deck pas. Nous on l'a pas top deck. Ouais. En tout cas c'est vrai que son, son deck est cool, rien à dire. Ouais, hein. ouais euh, c'est euh, Azurus aura c'est très cool et, euh, et nous ce qu'on a fait c'était pas mal mais bon bah... Un peu trop de... Comment s'appelle là le truc qui fait rien du tout à part du mana quand on en a trop euh, ce que tous les TCG émergents ont décidé de supprimer, les landes Voilà. Ça. Voilà, Et merci. Ça. Et exact, exact. Et pourtant, on les adore ces terrains, on les adore. On les, adore. on les adore. Mais c'est vrai que bon, dites-nous chez vous si vous aimez les terrains. Hein, bon. Merci Drulan qui a pris son petit abonnement 44 e mois d'abonnement. Oh le incroyable. dru, merci beaucoup. Merci beaucoup le dru. Bien dru celui-ci. Faut pas le caresser le Drulal. là. Hein. C'est Dru. Hein. Ça fait mal au, ça fait mal à l'âme. C'est sculpture. Salut Abd Al J'adore les terrains. Moi aussi, j'adore les terrains, bien sûr. Un petit peu de merci ferait pas de mal. Merci pour le <coughs> <de> Gambi. <coughs> un petit peu de MDFC, oui. C'est vrai qu'MDFC, ils avaient dit ah regardez ce qu'on peut faire maintenant, on a dit oh lourd, on l'en fait plus. Ah ben si si, on a dit c'était bien. Non non, on l'en fait plus. Eh ben dommage. Plus on joue à Magic et plus on les aime et plus on les déteste. Ouais ouais bah Magic c'est un jeu qui t'apprend la frustration. Les TCG émergents sont beaucoup moins là dedans. Il euh, mm. y, y a moins de frustration et en même temps du coup, comme il y a moins de variance, il euh, y a moins aussi cette possibilité de gagner alors que ton adversaire est plus fort que toi. Donc je trouve que la ce que tu perds en frustration avec les Landes, tu le gagnes sur le fait de pouvoir battre n'importe qui à Magic. Et finalement, à la fin, ça s'équilibre. Ouais. Si vous jouez à un card game Bandai, franchement, vous allez perdre à chaque fois que votre oppo est meilleur. C'est tout aussi frustrant que de faire des non-games avec les Landes, je trouve. Et je salut trouve, Kawa, trouve. merci beaucoup pour le sub. Coucou à toi. Et, euh, et effectivement, je connais aussi un jeu qui je n'a bon jeu. euh, pas ce problème. Je connais tous les autres jeux qui n'ont pas ce problème. Mais Voilà, tu, tu, ce que tu gagnes quelque part, tu finis toujours par le perdre d'un autre côté. C'est le, c'est l'équilibre, c'est l'alchimie, c'est l'alchimie. Voilà, ouais. c'est uh, full metal alchimiste. Je, je trouve que ça. le en dans l'encrabe de, de l'Orcana, c'est ouais, bon pas compromis. Pas. de ouais, euh, c'est bon... pas gratuit, c'est pas gratuit non plus, mais euh, tu es quand même très libre sur ce que tu fais. Je suis assez d'accord avec toi. C'est exactement le genre de pattern que je je prendrais si je devais designer mon TCG ou alors juste y aurait... En vrai, si on devait designer notre TCG, on en a déjà parlé sans révéler ce dont on s'est déjà parlé, je pense qu'on n'utiliserait pas des bien. ressources comme les TCG actuels les, les utilisent. Je me dis, c'est dommage que je puisse pas jouer mon oiseau, ça fait du noir. Non, ça fait du bleu. Et après, ah, ça, ça, fait ça fait du noir. C est, c est, ça fait du bleu, euh, ça marche Il va bien. falloir s'habituer au, au nouveau cycle. Hein. Ouais. En tout cas pour moi. Euh, du coup, là, on va joue ça et le furteur. Mais du coup, nous, dans nos. Euh... Dans nos idées de TCG, il n'y aurait pas de ressources euh, comme vous les connaissez. Un peu à la flesh and blood, du coup, que je trouve vachement malin, justement. De... Du coup, il n'y a pas le problème de terrain, mais du coup, on n'a pas fait des espèces de terrain amélioré. Mm. Juste, on a trouvé d'autres mécaniques, je trouve ça assez brillant, quoi. Oula, 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 oula. J'ai envie de faire... Euh... Que, faire que dans le Flavor, ça, ouais. en vrai, dire, euh, je prends n'importe quelle carte de ma main et c'est une ressource. Bah oui, c'est un truc de gameplay qui en termes de game design permet de rendre les parties moins frustrantes. Mais en vrai, en termes de flavor, ça n'a aucun sens. De prendre Tohan Solo à Star Wars et de le mettre en ressource dans le, dans le flavor, dans la sensation de jeu, c'est un peu débile quoi. Je sais pas si je suis furteur ou si je reste contre up. Euh, T'as peur de te prendre un drop 5 de l'enfer Ouais. En même temps, le problème des jeux tempo, c'est que tant que tu n'as pas de présence sur le board, mm. ça n'a pas d'intérêt de contrer ce que fait ton Oppo parce que tu as besoin de la pression autant que la disruption. Mais c'est vrai que si tu prends un enfer de drop 5, j'avoue que j'ai pas de solution pour toi. Quoi. Je l'ai ralenti en tuant en valeur. je pense que je peux me permettre un tour. Non. Ouais, tu prends un suzerain. Un suzerain, c'est pas le pire ça. C'est pas le pire que tu prends. Bah Geeks qui va me faire piocher deux. Hein. Merci oh, euh, Maxovic euh, pour le sub. Je vais plutôt euh, mettre les marqueurs. Ah, que ouais, que moi je piocherai pour trouver un anti-bête. Hein. Franchement euh, j'irai chercher vite les... Ah, ça fonctionne un peu Kaito. Fonctionne un Ça fonctionne, ça un, fonctionne peu. un peu. Il est bien tourmenté ce récif. J'aurais pu jouer l'oiseau à 1 mais je crois que c'était pas fou. Genre, Moubot, il, il fait toujours la promotion de Val-et-Pel à Las Vegas depuis tout, depuis tout ce temps Oui, ah, tant et la que vidéo... les vues ne seront pas euh, <laughs> là... satisfaisantes, ça fera la promotion. Et On toujours fait vidéo à vidéo Las Vegas et tout le monde s'en toujours... bat les couilles. Ah, c'est une dinguerie. C'est que c'est toujours un échec cette vidéo, alors qu'elle est promue depuis un an par le Moubot. C'est une dinguerie. Ça me fait encore plus de la peine de voir qu'elle est toujours en promotion par Moubot. En vrai, c'est pas très pertinent parce qu'il y a personne qui, sur un live, va dire « Oh tiens, si je me barre pour regarder autre chose, <laughs> Là, ils sont venus voir un live, tu vois. Je... »« Putain, ils ont été à Las Vegas ah Je clique, direct. Je vais me casser, du coup. » Ouais, ouais. Ah, non, non, mais ça, ça ne fonctionnera jamais. Hein. Euh... Donc, bah, je crois que Kaito son suivants. Hein. Enfin, tu attaques d'abord et… Allez, je clique. Merci, Kekar. Franchement, elle est cool la vidéo en plus. Hein. Premier degré, oh euh, moi, c'est petits... mon vlog préféré. Euh... Le... Oh Les petits show -week Oh, le ninja, mec. On dirait qu'il est élytroyé Mais oui. Genre, il arrive en, en hélicoptère. Mais Il arrive juste en hélico, le van. Hein eh oui. Venez vous regarder. On part tous regarder la vidéo à Las Vegas. Ah, mais vous l'ouvrez, vous le mettez en voilà. un anglais à Teco et après vous vous régalez. Même si toutes les personnes de ce stream le font, ça fera entre guillemets que 400 vues de plus et ça n'aidera quand même pas la vidéo Mais mieux. à avoir, avoir l'essor qu'on lui, euh, lui attendait finalement. Là, t'es pas mal en vrai. Ouais. T'es chillax. Hein. Ça ne ça, si te dérange pas, ça ne bouge plus. Ça te dérange plus, ça bouge pas. Par contre, si toutes les personnes qui regardent cette Rediff YouTube vont voir le vlog à Las Vegas, là, il se passe un truc. Là, il se passe un truc. C'est vrai. Je tourne autour d'un drop 6 ou plus ou je joue ça non, non, moi je pense que. Ah, moi j'ai des teams on garde le contre, mais c'est vrai qu'il a tellement de mana. Euh... Non, non vas-y, joue en fait. furteur. Ah, ah, ouais okay. ah, on n'est pas d'accord, mal. <laughs> tu as fait exactement la même blague lors du. Bon. lors du. de Neo Kamigawa Ah, ouais, j'ai déjà dit qu'il y avait euh, le vlog de Las Vegas qui était promu par Mubot Je m'en souviens pas du tout, lors tu de... Mais par contre, que toi tu t'en souviennes, c'est ouf. Ça fait, ça fait un an, euh, Amadou Baris, ça va faire un an, euh, Las Vegas. Ouais. Ça a vraiment flop. Ah, c'est une dinguerie à quel point ça a flop. Ouais. Mais nos vlogs au global, hein, c'est pas jamais trop oui, une, oui. une réussite. En fait, dès qu'on essaie de faire du contenu de qualité. <rire> voilà. <rire> si vous voulez savoir les dessous. C'est bon. pour ça que du coup, on a décidé de faire que de la merde depuis. <laughs> Et putain, les, les stats ouais. skyrocket. Pouf ah Non, si tu l'as déjà vu. Oui, ah, bah t'as bien fait bah, oui Après, ça prend 8 minutes, hein, donc c'est vite fait, Un hein, revoir. Hein. Ouais, ouais, Ah, il avait une belle montagne. <laughs> Et il m'a bien eu. Euh, je vais surveiller deux piocher Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Je suis plus trop dans cette game. là. je suis sur le je suis un emblème. C'est quoi J'ai envie d'un emblème de ninja Ouais, allez, fais un petit emblème. Pff, après tout, qu'est-ce que t'en as à foutre Tu fais un peu ce que tu veux là dans cette game. T'es ouais. chill. Hein. Je suis euh, chill à dose. Ça me fait rire. Ah, on est mort. Excellent. Mais non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Ah, si, on est ah, mort. Ah, si, si, si. Ah putain, il est sérieux là d'avoir top decké ah non, ça Il met 9 Ça va. Bien top decké quand même. Ouais, hein ah, ouais. Bah, on est quand même, quand même pas frais. Hein okay, on est quand même en train de faire ah, cette game Je games, pense qu'on qu est carrément dead, mais. Tu peux copier un suzerain qui tue la terreur des piques. Non, ça marche même pas. Si, ça marche. Si. Ça fait le TB Si, si. Je crois, j'espère. Oui, bah, ouais. oui. Bah du coup euh, oui ça marche, c'est bien. Ouais ça marche, ça marche ouille, quoi. Non, ouh ça coûte 6. Ah oui t'as failli faire une petite bêtise. Merci Sculpture pour le sub, merci beaucoup. Je loupe pas un truc là Non. Oh et je perds pas l'épée avec excellent. Euh, là si il m'attaque il peut pas tuer ça En mettant 4 il peut juste tuer un kimchi Moi je bloque Putain, je suis pas mort le suzerain ah, si. avec des grosses ailes là T'es pas, pas frais là Attends si je bloque ici On va dire qu'il top deck rien hein, c'est bon ouais, ouais. Ah oui oui bah ça va il a déjà top decké c'est ok je je tu bloque, dois attaquer, hein. Il attaque il me met 4 je bloque ici On prend 5 je suis pas mort okay. Ouais Je pioche ou je fais une copie. Euh, euh, de je ça fais une copie, copie d'un 5-5. C'est pas mal C'est pas mal, hein. C'est hein. ouais. mieux que la draw moyenne que tu pourras avoir. Donc, euh... Non, il, je peux perdre un point de vie pour mettre une 1 un, un de plus. Non, je crois que tu referas bah, une copie. Hein. Il top deck anti-betch, j'ai perdu, si je fais pas ça. Bon, allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu qu'ils ont à avoir tous anti t J'ai vu que tu voulais que je fasse du contenu, j'ai dit non, on va essayer de gagner la game. Ah ouais, vas -y, vas -y. Allez, top deck pas te plaît freelanceur là. C'est bon. T'as fait et ce merci. que t'avais à faire, t'as plus rien à prouver. Oui. Non mais sans Quoi Bon ça va. Ah vas-y, je, je, suis, je suis outré là. Il a top decké deux fois d'affilée sur Pixy, tu peux Ah si ça va. Ça donne pas d'Aist, ça. C'est une autre créature. Ah non, ça va pas, parce qu'il tue un bloqueur et du coup il a une bête Aist. Ah non, ça va. Ah non, ça va pas. Yes. Il a fait surprise du contrebandier deux fois d'affilée. Il en a fait trois d'ailleurs, une que j'ai contrée et les deux autres. Pleure pas, Val. Ça arrive à tout le monde de se faire euh, battre Humilié. à plat de couture. C'est pas la phrase que je voulais dire, mais je vous laisse imaginer hum. ce que je voulais dire. Humilier, caguer dessus devant un public. De la, fiante, il a pris... de la fiante sur le crâne. Il a pris la, la, sa, 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 la chatte et il nous l'a écrasée au visage, là, comme ça. Tu vois comme ça là. Tiens. Après, euh, est-ce qu'on peut se battre contre Triple Top Deck Bah, ce deck ne se bat pas contre ça. Non, non. C'est bien. Allez, hein. allons-y. Hein. Franchement, le deck propose... Euh, en tout, tout cas, c'est ce euh, cool. C'est fort. Voilà. Maintenant, on sait. je ouais. trouve ça bien. C'est cool. C'est du harcèlement à ce niveau. Je suis bien d'accord. Je vais pas jouer le zozio. Chauve souris, tiens, dîme en plus. Oh putain. Ah, c'est Boros Trigger. Ok, je vois très bien. Et arabelle ça va, ça va, ça va, ça, ça, ça va dégager. Hein. Ici. Pouf. Ça se passe pas très bien ce soir. Je suis là depuis une heure. J'ai vu full flood et ça. Alors cela dit, le début du live, on a juste. Enterrer tous nos oppos. Oui, parce que sinon, hein, euh, on joue un deck qui écrase tout le monde. On, on, était, contenus, voilà. on était en légende avec notre deck June d'Overlord. On peut repartir dessus. Si vous voulez voir des mecs qui gagnent, si c'est que ça, on peut y aller. Mais nous, on est au-dessus de ça. On est là pour le contenu. On n'est pas là pour Lego. Alors, Lego. Est-ce que je joue ça ou est-ce que je joue ça Après, on est là pour les Lego. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, ça bloque bien Geeks. Allez ah, bien On m'a demandé une devinette. Alors je vais vous faire deviner euh, une, une jolie carte. Tiens. Bam. Bon j'en ferai qu'une. C'est une bonne carte qui n'est pas jouée en standard. Elle est légale en standard ouais, évidemment. De te chiasse dessus mon gars. Ah, regarde pas, voilà. pense à la devinette. Je <laughs> euh... oh, t'ai te... dit c'est fort ça. Et il te défait dessus, quoi. Faut euh... faire un live Lego. Il y a de grandes chances que ça arrive prochainement euh, de mon c côté. Ça coûte pas cher, ça a 4 lignes de texte. Euh, ouais. C'est une créature. Euh... Hop, il se passe rien. Ah, on a rien vu, on a rien vu. Euh, C'est un skin ça... alternatif joli que je possède actuellement. Ouais. C'est légal en ce moment, mais ce n'est pas joué. C'est une, une tribu que les gens nous demandent beaucoup en commentaire. Mais qu'on n'a pas fait. Parce qu'il n'y a pas de dégâts. Ah, c'est bon. Alors, c'est dans les grenouilles, c'est un drop 2. De... Donc, c'est le, le truc qui fait le. Les loutres, pardon. Et c'est quitte ça, celui qui copie, euh, copie l'espèce. C'est ça, l'élite du trou de balle. Exactement. Et voilà. vais Val. Tu, tu as gagné euh... la carte. Je la ah, bah, je suis super content. Vas-y, je, je prends. Ouais, euh, live Lego, euh, ça, me, ça me titille depuis trop longtemps. On dit euh, que quand tu as envie de faire un achat compulsif, faut laisser passer 48 heures et voir si tu as toujours envie du même achat 48 heures plus tard. Moi, ça fait environ 3 mois que, <laughs> que j'ai envie de la même chose. J'ai laissé 3 mois et je suis toujours matrixé, donc ça va partir. Qu'est-ce qui va partir Pardon J'ai lu un commentaire entre temps, j'ai déphasé. Un Lego. Ah, je sais lequel c'est en plus. Ah, un vraiment, gros Lego. Non, non, bah, ça fait trois mois qu'il me matrix. Comme je disais, normalement, tu laisses passer 48 heures pour savoir si c'est euh, un achat impulsif. Mmh. Euh, moi, ça fait trois mois que je laisse passer et j'en peux toujours plus. Cette donc, technique euh... ne marche pas parce que je vais focaliser sur le truc jusqu'à ce que. C'est si une fois que j'ai acheté, je me dis Ah Non, ça non, moi, des fois, des, des, des fois, ça me passe. Hein. Des fois, ça me passe. Des fois, ça me passe, mais là, ça ne ça m'est pas passé. Et c'est un Lego qui mettrait. Vous devez le deviner dans le chat, petit jeu. C'est un Lego qui mettrait environ 4 heures à monter. Donc, je... Je pense que je le ferai en deux streams. Je, dire, donc, je pense que je le fais en deux. <laughs> le prouveur. <laughs> ça met <laughs> à <Ça a> peu <laughs> près 4 heures. Comptez <laughs> une heure et demie. <laughs> c'est quoi ces 10 minutes, ça C'est de la petite bière, ça, c'est du petit lait. <laughs> aïe, aïe, aïe. Je crois que je suis mûr, et ouais, ça y est. Le falcon. Ah non, ça, ça met un non, peu non. plus. Oui, et puis c'est un, un, trop gros budget euh, Millennium Falcon. J'ai pas ce budget-là. Ah bah c'est le même. Est-ce qu'il va nous redémoler le cake Et c'est nous le cake. On va pouvoir se venger. Oh, le destroyer Star Wars, c'est mon graal. Si jamais j'avais 800 balles à mettre, je prendrais le, le destroyer UCS. Mais euh, mais j'ai pas 800 balles à mettre et je surtout pas de, j'ai pas de quoi. J'ai le... pas 800 balles juste. Euh, non, je sais même pas de quoi l'exposer. J'ai vu un gars sur YouTube, je crois qu'il s'appelle. Galaxy, quelque chose, un nouveau gars qui se lance, mais qui a une collection Lego, genre ça fait 15 ans qu'il collectionne. Gros, il a. Un, tu vois les destroyers de l'Empire dans, dans Dans Star Wars Oui. Et bien, au lieu d'avoir un destroyer de 4000 pièces comme le gros destroyer UCS, il a un destroyer custom de 20 000 pièces. Qu'il a fait lui-même Moi, bon, j'imagine, ouais. Le si truc, il est... fait 3 mètres de long. Non, mais il fait deux fois la même sortie euh... Je... Je vais être Je... mal poli Je... un moment. Je vais être mal poli! Il te cague dessus. Par contre, la sorcière, elle est insane. Hein. Évangélise dans ça, c'est juste trop fort. Ouais, ouais. Ça, bon, après, alors, il... je cite, hein, j'ai dit ça prend cut down, mais avant, Val, il a bien cagé dessus sur le. Ouais, mais je cague sur je top. Toujours dessus. Hein. Ce qu'il te fait, là, ne, ne, ne sera pas joué en standard. C'est illégal. Je, je, je suis obligé de buter ça. Mais c'est quel enfer. Mais j'ai perdu, là, Val. Comment je fais, moi? J'ai perdu. Hey, je, sais, je sais que t'as perdu. C'est pour ça que moi je parlais de Lego Star Wars. J'étais déjà plus là. quoi. Alors, effectivement, c'est le, le, euh, le, le TIE Interceptor UCS que je trouve magnifique. J'adore les vaisseaux de l'Empire. Euh... Oh. Ah, il est bon. Il est bon lopo. Donc ouais, je vais craquer pour le, pour le TIE Interceptor. Bien joué. Ah, ça joue ah, oui, vite, hein, ils sont... ouais. Quand on se fait caguer dessus, pas de galère. Son destroyer, c'est une barque, littéralement, 1, The, the Tour. Bien joué. Hop là. Alors là, si on a un truc à faire, à papoter le temps que vilain Jay tag quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être pas lancune. mal. Et tu penses vraiment que son deck, c'est vraiment très fort, ou juste il nous chie dessus euh, bah, C'est la vie, tu vois. pareil, euh, si tu curves des anti son deck, il fait rien. Le truc, ouais. c'est que euh, le tour où tu curves pas un anti bet tu prends la source, mais monumentale. Copier un truc qui attaque tout de ouais, suite, ouais. qui a un ETB, qui a un trigger d'attaque, c'est vraiment euh... ça marche bien, mais faut il faut spécifiquement vraiment... drop 3, dans drop 4. Je, je trouve quand même que là, il nous a fait le max de ce que fait son deck quoi. Bah tu sais quoi Alors je la lance, on le retague, il nous refait la même. C'est la vidéo de mercredi. Voilà, il, on, on, on fait ça. Alex, mercredi, ça va. on si fait on, son deck. Si c'est le même, il nous refait la sortie, on fait son deck. Je le connais, je l'ai vu passer sur Internet. C'est euh s'appelle Boros Trigger si tu veux tout savoir. Eh ben ça marche bien. Je suis en train de Trigger ça, là. Ça marche bien contre nous ouais. Merde c'est pas le même. Un ah, ben, les poulets. Il y a plein de fans de Lego là sur le chat je vois ça. Moi je ah, oui. ça sera mon premier Lego donc je découvre l'univers. Si jamais ah, vous voulez me voir monter du. J'ai pas touché un Lego depuis euh, 20 ans je pense. Donc euh, ouais, ouais je pense que je vais kiffer de fou ouais. Moi j'ai toujours euh, deux streams Lego en cours depuis euh, genre trois ans. Il toujours pas monté. Bah écoute, on va proposer pas mal de Lego. Alors, du coup, euh... du coup <laughs> on, on en a. Alors, si on ça vous plaît, je veux dire, on peut vous en faire pas mal d'affilés. Moi, bon, il y a écrit une heure. Je pense que je vous le fais en 10 minutes. Et j'ai vu Les gens me demandent si j'ai vu les vidéos Lego de Amixem. J'ai vu passer ça. Après, moi, ce qui me matrique, c'est Lego Star Wars plus que Lego tout court. Mais j'ai quand même été rechercher mes 7 Lego d'enfance. La gamme, si vous la connaissez, UFO de 1996 et 1997. Oh, trop bien. Ah ouais. Et moi j'ai grand... grandi avec ça et elle est incroyable. Euh... Je ne vais pas les racheter mais j'avoue que ça m'a fait kiffer d'aller regarder un petit peu à quoi ils ressemblaient. J'en pas... avais pas mais j'avais euh... euh, un collègue un peu plus âgé qui les avait. Et, euh... ouais. Mais déjà monté tu vois. Mais du coup jouer avec c'était extraordinaire. Les, euh, la gamme UFO. En plus il n'y en a pas beaucoup. Hein, si jamais... Les gens vous laissent les racheter. Il y en a trois ou quatre, je crois, de vaisseaux. Donc, tu vois, tu fais vite la gamme. Ouais. Mais euh, mais ouais, c'est vraiment mon souvenir d'enfance. C'est la navette de donc la navette sous-marine de la Menace Fantôme. C'était le Lego que mes parents m'avaient offert pour Noël, qui est sorti, je crois, en, en 2000 ou en 99. Et la gamme UFO euh, qui est sortie en 97. C'est Les seuls Lego que j'ai eu dans ma life, je crois. La chaîne le Lego inattendu qui arrive pour... Est-ce qu'il détruit un enchantement euh... C'est bien ça. Ok, il détruit pas un enchantement du coup. Oh, ta carte préférée. C'est laquelle déjà C'est le démon que as filé à Mika je crois. C'est le démon que j'ai filé à Mika je sais même plus comment il s'appelle. Il était fort en scellé. Ça se contre ça non euh, ouais, en vrai tu contreras surtout pas beaucoup mieux plus tard. Ben en fait, si ah, les je Bionicle, laisse euh, résoudre. Ah, Bionicle, oui. Incroyable. Tu les Bionicle que tu faisais se battre là Oui, avec la tête. Ah, il y a les boules que ça. et après, il y a eu les grands. Voilà, c'était que ça, Bionicle. Il n'y a pas eu d'autres trucs. C'est vraiment les trucs qui se battaient. Ouais, ouais. Ah, c est c est... Bah, en fait, tu as les, les boules qui se suspendaient ensuite à l'envers, euh, rouler Et tu as les grands qui, eux, se pliaient pas trop. Ok. Moi, c'était ceux où tu appuyais derrière et ça faisait la tête, se ouais. euh, venait frapper la tête de l'autre. C'est trop bien. J'aimerais bien m'en racheter le nostalgie ouais, 100% euh... Euh, comme tous les joueurs rétro ça vaut une tétra blinde maintenant mais il y en a eu énormément donc je me dis peut-être que je peux en trouver tu vois ouais. ou alors faut ouais, qu'il y, y ait des reprints mais... moi j'ai racheté un, un transformers beast wars mais en version reprint euh, 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 ouais, et ça va tout de des, suite des dégueulasseries les, les mecs il hein. ouais, faut que tu que il qu un sinon il va tuer bah ouais, mais il va tuer ta Ouais mais là en ah, fait... Si je, si je prends ça, il développe Suzerain qui tue chauve souris et ça ça arrive dans le... Ouais Kanto. ouais, okay. il ouais, faut mieux prendre Suzerain. Et je furte. <coughs> Quand je deviens une copie, je fais pas le TB du coup, ce qui est déjà là. Et ouais et ouais. Bon bah j'ai répondu à ma question. C'est sympa ce petit fungus hein Ouais je l'avais pas vu passer dans les rebelles et ouais, les, pas les hein, tout, bon, pas un. Bon. Je crois qu'il faut que tu restes air taille up et juste que tu bourres. J'essaie d'entendre Kaito. Mais... Ouais je pourrais Kaito euh, reprendre euh, Chauve-souris, essayer de lui repiquer un truc. Mais bon, à ouais, quoi que non je vais lui repiquer ça en fait. Ça me paraît un peu grave je... de se prendre un des pâtés qui... Euh, je qui la ferme. Là. Une copie de ça, comme ça, ça vole life l'ifelink. Ouais. Et lui, il va piocher. Ah, quoi, euh, quoi, je mets carte, des marqueurs. Hein. Tu veux taper plus vite, plus ouais. fort Ok. Je poser l'étal, parce que j'ai l'étal. poser parce que j'ai l'étal. Je lui mets à 7. Il tente un gros bestiau. Oui, oui, baguette. Uh. Et eh ben, ça se copie bien, ça, non Ça se contre bien, pardon. Bah, je suis pas sûr, il va tuer que chauve-souris. Je lui remets 6 imbloquables. Et après, je contre et, un truc. Et, et derrière, il est tu retailles genre le, le truc problématique. Ok, ouais. Je crois. Tu feras juste un droit à la gorge sur ça. Euh, non, ouais, non, mais t'as raison. ok c'est ok. Quoique, je mettais 7. Ouais, mais après, c'était chaud. Non, 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 mais si tu tuais pas, il fallait pas le faire. J'aimerais bien un coup, land, tu... juste pour mettre l'étal. Parfait. Tu as un land. Erling, un land. <laughs> Très bon buteur, il paraît. Je skip. J'ai une petite carte. Un land. Pour faire Petit oiseau moqueur, let's go. X égale zéro. Comme Là je comme ça, si 7, joue 7. rien c'est ça. Mmh. Et quoi qu'il joue, tu vas pouvoir le hard tie parce que c'est pas le genre de deck qui propose double play. Ça on s'en fout. Si, euh, avec le mana, il pouvait euh, mettre 3 dégâts ou mettre 4. Mais dans ce cas-là, il développait rien de très menaçant. Quoi. Ouais. Merci Chériou. Merci beaucoup pour, euh, pour le prime. Et merci beaucoup Chayou, coucou. c'est coucou uh non, long. Ça c'est méchant. <laughs> ah, ouais. Je vais contrecarrer ce sort ciblé. Une petite carte pyroclase, c'est que je, je m'attendais pas du tout à en chier avec un deck Dimir Ninja. L'impression que c'était genre autopilote. Le deck, euh... a, ouais. le deck a l'air trop fort, et genre là on en, on en chie, hein. c'est mmh. dur. Là on a l'étale, peu importe ce qu'il fait. S'il ne tue qu'une bête, Yay. Ouais. Pan, pan, pan. et merci KLC pour le prime. Merci, Putain, ça trop. a été difficile. Alors que ça me semblait être le deck le plus proche d'un deck euh... compétitif fini, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est pas évident. Peut-être juste parce que Tempo s'insère bien dans des metagames bien précis et très peu dans des euh, metagames de BO1 où les gens ils testent des trucs qui prennent le board, tu vois. Il ouais. y a peut-être aussi le fait que c'est un deck qui vivra mieux en dehors d'un stream d'AP. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse dire. une dernière game avec le premier deck. J'ai de te dire, on s'en fait une dernière et quel deck vous voulez? Le premier ah oui. pour ceux qui ont loupé. Celui-ci pour voir s'il peut faire quelque chose. Celui-ci, en vrai, je pense qu'on l'a vu. Euh, bon. Parce qu'on a ouais. vu euh, ce que ça faisait. Ou redénigre. Moi, je, je réouvrirai le premier et je ferai deux trois ajustements. Je sais pas si les gens sont chauds avec ça, mais. Genre, tu vois, euh, la base Delirium qui fonctionne peu. Euh, ouais. Peut-être que t'es un peu dedans. Euh... Je mettrai quoi plus d'interaction, je sais pas. Il n'y a pas de meilleur truc. Ah, bah, si tu veux, on peut ramper dans. On peut mettre le suivant un verre. Hein. Et eh bien, justement, le suzerain vert en tricolore, ça marche pas très bien. J'y ai déjà pensé. Et je pense ah, à cause que ça du double vert, tour 3. Ouais. ouais, ça va être chiant. Euh, moi, j'enlèverais juste un tisseur, j'ajouterais un déchiqueté. Ouais. Mais j'enlèverais qu'un déchiqueteur, je pense. Et là, en l'état, c'est quoi En fait, mais la curve telle qu'elle est avec les suzerains jouant en imminence. La curve, elle est comme as, comme as. Ça manque de tour 3 en fait, en vrai. Ce qui manque là, c'est des tour 3. 3. On pourrait avoir une conquête de moins si on estime que notre deck il marche très bien sans. Ouais. Et avoir une sentinelle de plus. J'aime bien sentinelle parce que ça marche avec conquête, ça fait un game object. Et là, on a une curve qui est descente en vrai. Ouais. C'est un peu. Ouais, Moi, comme ça. J'aurais mis un tour 3 avec ETB. Sinon, euh... Et mais bon, bon. Enfin, ça, c'est un ETB, mais c'est juste une map. Oh, vas-y, go. Ouais. Tantôt. Moi, ouais, comme ça ton temps jones Ouais. Il y a un artefact qui fait sacrifier une créa et qui reste sur le terrain. Ouais, c'est joué en, en popper. C'est un drop 2. Ouais, je, je pense qu'on peut trouver là ce que j'aime bien c'est que toutes les cartes en fait, il y a une synergie d'ensemble mais toutes les cartes sont puissantes et indépendantes. Ouais. De toute façon, je veux rejouer cool. des, euh, des suzerains rouges. Hein. C'est ma carte préf. Euh, c'est vrai alors que tu vois on l'a bien évalué au spoiler mmh. et quand on a fait le top, on s'est dit non, en fait, c'est pas assez bien. Bah ouais. En fait, c'est pas et... mauvais, on s'est dit. Mais euh... Ouais, ouais. Mais ça, ça ne rentre pas dans le top. Voilà, ouais. c'est ce qu'on s'est dit. c'est ça Et ben bah, tu vois, je suis assez étonné, quoi. Finalement, en la testant, la carte est vraiment pas mal. Hein. Après là, c'est euh, créature City, hein, donc forcément. Euh... Oui, ça elle est plus dans ce stream d'AP que, que en fait, peut-être dans le metagame. Tu, tu l'ouvres main de départ, euh, le type en face, tu vois que c'est Bros convoque tu fais A. Ah, Bon bah mm. c'est pas très bien quoi. Le drop 3 qui fait manifester à l'attaque, j'ai vu un très bon article dessus qui expliquait que pour l'instant c'est une grosse carte de merde, mais que dès qu'il y aura elf de la noir dans le format, ça deviendra un staple. Et c'est très vrai. Et je suis d'accord. Parce que quand tu le feras tour 2 et que tu manifesteras sur ton attaque au tour 3, là ça deviendra quelque chose de très intéressant. Mm. Bah attention, ouais, si tu veux développer la tirelire Je me suis dit on va piocher, mais euh, non, c'est à cogner. Mieux. Oh, Bant. Ni tes sens. Lui, il joue bante pour Calix, du coup. Euh, on va juste déchiqueter son truc, non Non, pas forcément. Je, je, je sais pas. Déjà, hein. je, ça, je se propose discute. le trade. Ouais. C'est pas pris. En non, vrai, je... tu peux glisser. Ta curve glissa dans ouais. Suzerain, vas-y. Hein. Euh... Vas vas-y, On avait pas mal lu nos best, il me semble. C'est juste que 4 dégâts face pour 4, c'est nul, nous best. Ouais, c'était pas forcément. Genre au tour 4, faire ça, euh, ou au tour 6, c'est pas très bien. C'est une ligne de texte supplémentaire. C'est ça, ouais. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, en tout cas. La plupart du temps, tu vas le faire sur des créatures. Eh ben écoute, euh, petit suzerain, euh, ouais. qui, va péter, euh, qui va péter qui va Putain, mais la pilleuse de poubelle, c'est dingue, hein. tu mets le marqueur où tu veux, non mais ouais. please, quoi. Ah, c'est costaud, hein on va se taper du coup des decks c'est pas les decks que je préfère affronter en standard mais c'est des decks assez disrupter. genre si c'est fort euh... les decks assez simples à disrupter fin de tour travail terminé le petit déchiqueté là main deck qui devient vraiment indispensable dans le format ah, c'est très 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 bien Très 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 bien. Est-ce que tu veux faire venir directement ton ton Overlord ou, euh, ou tu gardes ton déchiqueté et bon, là garde, tranquille là. on attaque okay. ouais. ah, il 21 h Tu cherches pas à... tu cherches pas à combo euh, obligatoirement. Ouais mmh. 21h52 elle s'est même déréglée d'une minute avec Mais le non. temps. Dingue t'imagines Alors que c'est pas une montre automatique hein. Comme quoi ça se dérègle quand même. J'espère que tu régleras l'heure avant d'enlever la sonnerie. Je ne réglerai jamais cette heure. Ni l'un ni l'autre. Je pioche ouais. ou j'enlève les marqueurs on enlève le marqueur je pense. On oui. Oui, se fait plaisir. On hein. est là ah, pour se faire plaisir, plaisir ou pas plaisir. Ah, je me fais kiffer là. J'aurais dû mettre le skin. Ouais. Il est grave cool ce June C'était vraiment l'envie de montrer plusieurs mécaniques dans un seul et même deck. Et franchement, ça rentre plutôt bien en fait. Ah là, j'ai envie de déchiqueter là. Eh ben, déchiquete bien. Ah là, je suis désolé, j'ai envie de déchiqueter là. Ah, ah je suis désolé, faut... j'ai envie de déchiqueter là. Eh ouais. eh ouais, ouais. Bon, elle a été rapide celle-là. Je vous en oui, reçois une petite remettre, louchette. Oh, allez. Tu peux en mettre une petite louche là. Mmh, une petite louche. Et j'ai gagné. Mais non Allez. Je ne l'avais pas Trop bien sur un compte qui ne m'appartient pas. Ce compte ne m'appartient pas. Il faut préciser les comptes sont prêtés. Normalement, on le dit au on début. A 1400, on a perdu ouais, la carte. Ouais. On fait six ans qu'on fait des streams d'AP. Donc, du coup, on est un peu rentré dans une habitude où avant on faisait tout le temps le disclaimer et tout. Là, en vrai, j'avoue, on est parti, on n'a rien oui. dit. Le compte, il est prêté par Wizard. Ce n'est pas notre compte. Nous n'avons pas un million de gemmes et un million de pièces d'or. Euh, ces comptes, on les rend à la fin du, du stream d'AP. Ils nous sont juste prêtés pour pouvoir tester une nouvelle carte et une nouvelle mécanique. Oui. C'est du gâteau, exact, Opinette. C'est du gâteau. C'est du... du gâteau. Oh, Absolo. La boucle est bouclée. On commence par le premier adversaire. A-t-il changé de deck oui, et nous, je crois qu'on pas changé. Qui est le seul gars qui nous a battu, d'ailleurs. Ah, le seul gars qui nous a battu. On a fait que des wins, sinon. Non, mais avec ce deck-là, je parle. Avec ce deck-là. Le seul gars qui nous a battu avec ce deck-là. Je te rappelle qu'on a battu Portail de Phyrexia, tour 3. Ouais. Je garde la main, moi. Même tu si t'es en cinq, 5, bah, t'as la, la combo droit à la gorge, glissade en Suzerain. Moi, j'adore. Allez. Allez. C'est pas le même. En plus, deck. En BO1, sélecteur de main, tout ça, tout ça, ça va se passer. Ouais, cool. tu vois, regarde bah regarde comment ça. C'est déjà passe. fait la sélection de main. C'est pas sélection de l'ordre de ce que je pioche. À moins que. Le à moins que tu connais. Ça... Hein. C'est fou Des... comme tous tout s'imbrique okay. parfaitement. Picobellus. <coughs> Vas-y, je prends deux. C'est vrai que lui, il doit se dire, mais ils ont pas changé là. Ils sont non. pas changés les deux types là. C'est quoi ça C'est quoi ça Tiens, qu'est-ce qu'il fait C'est pour sacrifier euh, un, un truc, notre un enchantement, une autre créature, pour piocher deux. Et quand il sacrifie ça, il manifeste les froids. Je... C'est pas mal en rien. Eh bah, ben, écoute, nous, on a une glissade du soleil qui fera au choix euh, revenir un suzerain ou alors tuer son enchantement. Alors Glissa qui devient vraiment le staple du format avec. Euh, cette... Pulu ouais. avec cette série d'Oscmond qui, euh, qui fait la part belle aux enchantements. Putain, il est laid, ce suzerain quand même. La bien version le... skin est plus cool quoi. Version un peu monstre industriel là. Le capitalisme. Il a un côté, côté triskel. Il a un petit côté triskel, ouais. Il sait pas quoi foutre ouais. de ses membres. Il y en a un peu trop. J'ai trop de membres, je mets quoi en foutre. Ouais, on a joué sur survie et je pense que c'est le deck qui a le moins bien fonctionné. Mmh. Euh, à la base, Celestina était cool, mais le côté survie euh, avec Kona était pas très bien. Salut top les... les Overlords ou les Titans Non. Je crois que les Overlords sont meilleurs. Non. Je crois que les Overlords sont meilleurs. Il est relou hein, quand même. C'est à dire que vous êtes lourd là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il est un peu chiant. Bon, après, tu devrais bien t'en sortir avec euh, Suzerain dans Conquête, ça va le faire. Oh, c'était un conscrit, Noice. Noice Ah oui, puis là, quoi qu'il décide de jouer, ça va mal se passer. C'est-à-dire que moi, je vais te tuer des bêtes, Rap Solo, tous les tours. Et quand j'aurai fini, eh ben, j'ai mes trucs qui tuent les bêtes, qui reviennent et qui retuent des bêtes. Ouais, j'avoue, quoi que tu veuilles jouer, Rap Solo, ça a pas bien va pas bien se passer. Puis, bonjour deux fois. Ah, sorry. Vous Salut, êtes quelques-uns. Comment ça va? On a fait hyper soit ce c'est un mono bleu meule? Non. On était en dilettante. Hein. Abuse, euh, Mister. On, on a, a fini à 23 pèves. Franchement, franchement on, était, on était assez large, je trouve. Non. Non, on en fait tout ce que tu veux Rapsolo nous. En fait globalement ce que tu fais on s'en fout ce qui nous importe c'est ce que nous on fait. C'est quoi Et nous ce qu'on fait c'est juste des suzerains dans la gueule. J'ai dit Ah, oh, je commence à les face là. Je trouve que le jeu me remercie parce que j'ai dit moi je veux juste jouer des suzerains. Oui, tu Et joues ben, juste des je veux suzerains. juste des suzerains en fait. C'est très euh, picobello avec ce que tu voulais effectivement. Eh oui. Hein. Non, les suzerains sont vraiment forts. Honnêtement euh, c'est des... un très très bon design parce qu'ils justement ils sont ils sont forts, mais de manière quand même assez cachée pour que ça n'a pas l'air craqué. Mais du coup, tu te rends compte à, à l'usage qu'ils sont cool hmm. ah bah, avec plaisir. un tape, grand, grand plaisir. Ça se réarrivera. Ça euh, moi, minutes. ça fait ça fait un an qu'il faut que, que je joue à Flesh and Blood contre un type. Donc, oui, il faut ça. Il faut que ça arrive. En tout cas, il faut, euh, il faut que, que je trouve le, le moment pour faire, pour faire du petit flèche. Il met un peu trop de board, je vais y foutre ça un peu. Ouais, tu, tu veux pas lui remettre un coup de fusain hein Non, je rigole, vas-y. Bah, ouais, si je pourrais tuer à 3-2, mais bon. J'aime bien avoir euh, un beau de là. <coughs> Puis bientôt, il y a les copains. On n'oublie pas les copains. Les, les copains aux copains. Oui, c'est vrai qu'à un moment, tu vas juste trouver des landes, quoi. Au bout d'un moment, j'ai un cinquième lande, je sac-sac. La conquête des chevaliers liches, quoi. Si on t'avait dit que t'allais rejouer ça, mais en vrai, le texte, pas cru. Euh... bah, j'aurais si, pas si, cru. Si franchement, euh, le texte a l'air suffisamment fort. Euh... On a fait des, des decks sympas avec ça, déjà. Bah, ça se passe bien, Thierry. A... T'arrives un peu à la fin pour le coup, mais t'auras la rediff évidemment, tout à fait. Voir euh, la rediff instantanée. Si jamais tu es sub à la chaîne, oui, oui. Oh, il essaie de nous tuer à distance là avec son désert. Qu Qu'est-ce qu que tu fais là, rap solo? Et on doit venir, hein. attention. Hein. Ah, il fait ça du coup, trigger, il peut caster ça, trois 3, -3 piètes. Oh, il est malin. Est... Ça fait des trucs j'aime bien, mais bon, tu quoi. À bientôt Yobi, merci d'être euh, resté. Il y a qui parie sur le fait qu'un de ses overlords va être ban l'an prochain. Bah justement, moi je les trouve assez bien designés pour qu'on ait... Genre, il n'y en a ouais. aucun qui sera ban. Ils sont juste bien. C'est Genre, si vous le gérez dans la foulée, le coût de mana payé pour le TB est un peu trop cher. Ouais, ouais. Donc je, je, je pense que justement, c'est bien designé parce que ça sera pas ban. Mais que c'est assez cool pour qu'on qu kiffe, quoi. Je bug comme ça, je prends zéro. Ou je prends 3 et j'essaie de réanimer le tisseur. Pourquoi est-ce que tu veux double bloquer le, le 4-3 parce que t'es obligé à cause de, de la menace Ok. Je crois que je prends 3. Ouais. Je vais être un peu grid sur le coup mais je peux faire des trucs cool. Bon allez, il faut piocher un land. Ouais c'est un sketch. C'est un sketch. Euh, bon après j'aurais un, un peu chiant voilà bah je crois que je vais droit, enfin je vais tirer, je garde droit à la gorge pour tuer un, un truc relou. Ouais, ouais. Oui, effectivement, c'est un deck qui prend les lines, ou reste une peace le deck d'en face. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que toutes les stratégies très cimetières comme ça seront pas très fonctionnelles. C'est, ça arrive quoi. sur un land, en... je faisais, euh, je sac tout, je te tue deux bêtes, j'ai deux 5 5 une deux trois. Ah bah genre... tu le détruisais, ouais. Ça n'empêche pas le deck d'être intéressant et quand bien même il meurt sur Rest in Peace, là on joue en BO1 sans side, donc en vrai, euh... du fait que le format BO1 existe sur Magic Arena, ce deck-là pourra exister en BO1. Tu vois. Ah, tu joues plus, à... tu joues plus à Flash Antep. Tant pis, j'ai laissé passer le créneau, c'est de ma faute. Ok, petite, petite vengeance, ça c'est c'est aigu, pas de galère. En vrai, tu vas tuer le 4-3 et bloquer le, le cavaleur. Hein. Oui. Et oui, demain, tu streams la la euh, ouais. PL. Hein. Exact, la Matip PL. La Matip. Alors, il faut vérifier que ça ne finisse pas à 8h du matin. Je ne vais pas me lever à 4h pour vous faire un stream à 5. Mais. Euh, mais Alors, si, si ça, ça commence à 19h, rien. je suis à peu près sûr que. Ils ont fait une toi, une fois qui a fini tôt le matin, tu vois. Justement, ça nous avait embêtés. Ouais, mais souviens-toi, elle n'avait pas commencé à 19h, justement. Elle commencé plus tôt. Ouais, c'est pour ça qu'ils avaient euh, que ça avait décalé quoi. C'est un peu relou là. Bah, tu vas te chumper et tu es la 4-3, je pense. Ouais. Mais il tente l'étal. Il a raison. Ça fait des trucs, hein Je suis là fait des ouais, trucs. Ouais, ça fait des... Trucs, ça fait des trucs, ouais. Merci Poums Merci Le huitième mois d'abonnement. Oh les boum, ça. Eh ben. Je suis Un même pas tard, sûr hein. que tu fasses conquête. Ça sert à quoi de faire conquête fais juste userun, non Conquête. Je peux sacrifier ça, euh, réanimer ça. Donc, c'est nul. Je juste userun. Oh, hein. Je fais, fais juste userun, ouais. Je ferai Feras conquête. Que... Alors, <coughs> oh, dis pas ce que je dis, Val. Voilà. J'allais dire, là. Connecté, hein. Hop là. Hop, allez 1h30 de gameplay One Piece sur la chaîne et c'est du bon gameplay. Pour le coup, euh, le titre, c'est « Cette game est un shonen », c'est très vrai. On vous a Beaucoup cut de... tous les passages blancs. Beaucoup de, de rebondissements. Je rigole. Ouais, j'ai pas cut tous les passages blancs, mais j'ai cut 2-3 deux, trois, deux, trois passages en vif. J'ai laissé mon rollback. Hein. On est, euh... <laughs> est transparent ici. Oui, oui, j'ai vraiment fait le, plus... j fait le plus gros rollback de l'histoire de... de One Piece, je pense. Ces menaces euh... hein, son bordel. Euh, je peux sacrifier. Oh, non, je jouer ouais, non, j'ai joué ça. Moi, je pense que c'est ok. Et tu vois ça, en fait, on n'a jamais délirium, alors que pour l'instant, on a des. Alors que pour le coup, pardon, on a des multi-types et je sais pas pourquoi on n'arrive jamais à avoir le, le délirium. Mer... en fait, on n'a pas nos passages merveilleux. On n'a pas de passages ouais, merveilleux. Pas... Pas de merveilleux, ouais, ça aide. Euh... Et comme lui, les créatures artefacts et qu'on a des créatures enchantement, avec des rituels et des éphémères, je me suis dit bon, bah Delirium, tous les jours. et bah, en fait, non. Ouais, mais c'est parce qu'on se meule pas aussi. Enfin, si on a... En fait, il y a plein de cas où on aurait pu l'avoir et on l'a pas. Ouais. Bon, là, on va quand même s'en sortir, je pense. À moins qu'il ait des dégâts face. Très creepy. Ouais, Pel il a opté pour NLE. Oula, oula, oula. Essaye de nous tuer à distance. excellent. Là, Comme ça. tranquille. Tranquille, rap solo. Attention. C'est bon. On l'a gagné. Ouais. Oh là, je faisais, le, je faisais le totale, la totale. Hein. Sacrifié. Tu, tu mettais la, la totale Maximus. Ah, oh, je ramenais tout. Oh je... oh. Oh. oh putain, j'en foutais partout. Oh, j'en foutais partout, là. 4 ici. Oh, j'aurais pu me mettre 4 dans la gueule. Allez, la ah, est il, est sympa, il est sympa, ce suzerain. Et on finit du coup par là, une belle absolu. victoire sur un coup de suzerain. Ça fait plaisir. Ouais rajouter le nom d'enchantement serait pas mal pour conquête des chevaliers oui oui ouais mais il arrive il tape moi ça me fait chier quoi ouais mais il fixe et c'est un terrain enchantement qui compte pour les deux ne pour le délire est-ce que tu as, as que senti que ce serait pas dégueu bah, pour le délirium ça fonctionne que sur la meule donc c'est pas ouf alors qu'avec ton passage tu vas le mettre mécaniquement au cimetière et pour l'argument de conquête c'est un bon argument mais est-ce que tu as senti que tu avais besoin d'autres trucs à sacrifier sur ta conquête je crois pas hein. bah, je trouve que conquête plus 1 un... C'est sympa parce que souvent tu euh, tes suzerains ou quoi à sacrifier pour les réanimer. Ouais, mais mais le, le plus un tu le fais avec sentinelle dans, dans mon idée ou avec ta tirelire Ouais, si, ouais. T'es censé pouvoir oh, le pas, faire avec ça ou pas ça. Pas tout le cas, mais... Non, mais ça tourne bien. Euh, ça demande une, une masse un peu critique pour faire des trucs. Ouais. Euh, mais mais ça, ça tourne parce mais que tourne. tout ce que tu joues de manière indépendante reste à part la conquête des chevaliers liches. Mmh. Tout est fort. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est un peu gogo gadgetto, mais, euh, mais c'est cool. Ouais. Et eh ben j'aime bien ce ouais. paquet-là. Voilà. C'est celui que je retirerai de la soirée. Ouais, euh, moi celui que je retire, c'est euh, Arzorius Aura. Ah ouais, ça t'a piqué. Bah, je je l'avais je je en, en plus dans euh, la On hein, mais Je pense pas jouer ça, mais ça a vraiment une tête de deck très fort, très vite. Et euh, ça, c'est celui qui m'a le plus plu de deck à jouer. Je, je pense que c'est okay. pas la version finale. Euh, non, non, bah, clairement ah, là, tu sais, il y a un melting pot de plusieurs synergies. À mon ah, avis, ouais. on va refocus un peu tout ça. Quoi. Ah, ouais. mais, euh, mais très intéressant. N'empêche que ouais, tu peux faire des trucs genre Suzerain qui meule. Euh, donc Glissa, dans Tisser, euh, Conquête qui sacrifie les trucs que t'as mis avec Tisseur, les, les bordels. Tu ramènes ouais. des Suzerains et tout, tu fais n'importe quoi. C'est un deck qui a un potentiel très puissant. Euh... C'est très, très euh, June de midrange. Euh, midrange un peu unfair. Et moi, c'est ce que j'aime ouais. bien en fait. Bah, ouais, Franchement, euh, franchement cool. Euh, D'ailleurs, on peut euh, mettre nice. des chauves-souris dedans pour euh, sacrifier mmh. chauves-souris et réanimer chauves-souris et reprendre un truc. Parce que souvent, au début, tu enlèves l'anti-bête qui enlève chauves-souris et après tu peux J'ai pas, pas trouvé la place de mettre chauves-souris, j'ai privilégié tir pour le côté délirium du fait que ce soit une créature artefact et que ça nous permette de ramper. Mais tu peux vrai. très bien dire, je m'en fous de délirium, je reste juste sur Overlord conquête. Et dans ce cas-là, tu n'as pas de tir tu as des chauves-souris. Et tu pourras pas rentrer les chauves-souris en plus. Mm. Faudra que tu te cantonnes à 8 drops, 8 drops 2. Quoi. Effectivement. En tout cas, tu peux cool. dire euh, Tirelire et effectivement chauves-souris. Hein, ah, et Boros Trigger, il avait l'air super fort, mais après le type nous a fait des sorties vraiment caviar deux fois. Ouais. Dival, peut-être que c'est n'est pas un deck qui sort aussi bien que ça à chaque fois. Mais quand ça ah, sort, ça... euh, ah, sort violence, ça... en fait, euh, ça a besoin de beaucoup moins de cartes que Boros Convoque. Donc, ouais. je trouve ça plus deux. fort dans ce plan-là, mais c'est un peu moins explosif. Genre, de toute façon, tard. tous ces decks-là là, qui vous ont impressionné au stream d'AP euh, et qu qui donc, du coup ont été pas mal joués et vont être mis en avant sur les réseaux, on vous les présentera. Voilà, Sachez qu'à chaque sortie d'extension, euh, là c'est la sortie de Dustmourne on va vous présenter tous les meilleurs decks qui ont été joués en stream d'AP. Euh, et donc c'est sûr que bah, les decks Aura et peut-être le deck Boros Trigger, s'il continue à exister, vous le, vous le verrez prochainement sur la chaîne. Effectivement. C'est la fin de ce stream d'AP pour nous, mais ce n'est pas fini pour vous, puisqu'il y a des créateurs de contenu français et euh, francophones, même, et non francophones que vous pouvez aller voir. On va pas raid parce que euh, on va pas choisir. Il y a notamment Thierry ouais. et Bandy en live, normalement. Euh, C'est Ou d'autres, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir à aller voir qui Il y a, vous a Elliot pouvez. aussi. aller ah, voir. Il y a, y a Elliot, voir, euh, ouais, ben y a Elliot qui, a, qui a lancé le live, donc vous pouvez choisir entre Elliot Dragon, hum. El Grande Boa et Bandy MTG. Passer chez les trois, passer le bonjour de notre part, et nous on va on va rendre l'antenne. Exact. On va rendre. Euh, merci. On à va juste de, rendre. On va juste rendre. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'être entre compagnie pour ce stream d'AP, ainsi qu'avec toi Valp, bien évidemment. Mais tu le sais ça. ça tu le sais, je pas ça te le tiens Si, faut se le rappeler dans une relation, c'est important plaisir euh, partagé on s'est régalé ce soir on s'est régalé on se retrouve très bientôt moi c'est demain matin donc Twitch vous bah, la rediff demain vous matin à 10h vous la verrez quand vous la verrez mais euh, moi c'est demain matin et d'ailleurs ce sera la, une rediff qui va, du stream euh, construit qui va sortir sûrement après la rediff du stream euh, limité ouais. parce que limité je pense que les gens ont envie de savoir ce qui se passe un peu pour les avant-premiers tu pourras donc, la sortir, sortir dans le week-end exactement. exactement et lundi vous aurez la rediff de ce stream là et moi ça. vous me retrouvez vendredi matin mais je pourrais pas jouer à Dusk World. Donc on fera d'autres choses. On fera d'autres choses. Verrons. On se régalera. Des bisous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.